Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 8 février 2013, vous écoutez African Time sur WPAT 930 AM, il est 21h à New York et 3h du matin à Tunis, vous suivez la principale édition de l'actualité africaine en français, Aïssa Taba au micro, Dame Babou à la technique. Au sommaire. Au Bénin, cambriolage à la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique. 225 millions de francs CFA évaporés. Y a-t-il eu complicité des militaires? Salomon Dessous y reviendra. Au Mali, notre correspondant Isaac Maïga nous parle des tensions à travers ce pays qui ne voit pas encore le calme arriver, même de loin. En Côte d'Ivoire, arrestation et extradition des proches de l'ancien régime ivoirien. Et toujours en Côte d'Ivoire, Étienne Tano nous rapporte l'issue du procès des enseignants grévistes. En Mauritanie et au Sénégal, c'est le système éducatif qui est au cœur des discussions. Que se passe-t-il donc? Ignace Ndaye pour le Sénégal et Camara Seydi Moussa pour la Mauritanie dans un tout petit moment. En Guinée, Dame Babou tend le micro à Mamadou Baldé. Il discute l'éminent face-à-face entre Alpha Condé et les opposants. Et restez avec nous pour connaître la minute beauté de Daoumbaï et la star de cette semaine avec Alain Tchenyon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur African Time. Merci de votre fidélité. Vous écoutez votre émission sur internet à yolele.com, à la radio sur WPAT 930 AM et par téléphone, composez le 979 228 42 28. Cette émission est sponsorisée par la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Des bruits de bottes se font entendre au Mali, qu'il s'agisse du Nord ou l'opération Serval qui entre dans son 30e jour, ou qu'il s'agisse de Bamako, la capitale, en proie aux difficiles relations entre les bérets rouges, proches de l'ancien président Amadou Toumani Touré, et les bérets verts, affidés de la jointe de l'autre Amadou, Amadou Aya Sanogo. Sans oublier les coups de butoir à Gao, des fans des fous de Dieu devenus les damnés de la terre du Mali. De Bamako, nous retrouvons notre correspondant Isaac Maïga. Opération Kamikaze. La ville de Gao et le Mali viennent de connaître la première opération d'attaque suicide. Une opération soldée par la mort du jeune kamikaze djihadiste. Un soldat malien serait légèrement... Gao, mouvement unifié pour le djihad en Afrique de l'Ouest, revendique cette opération ainsi que le minage de la zone qui a fait 4 victimes parmi les soldats maliens sur l'axe Douanes à Gao, passé sous contrôle gouvernemental. Le Mijao se réjouit ainsi d'avoir ouvert un second front pour l'armée malienne, alliée selon eux, décroisée. Pendant ce temps, les Bamakois se sont réveillés en sursaut ce matin suite au coup de feu des affrontements entre bérets rouges et bérets verts. Il y aurait au moins un tué de sources officielles et 4 de sources proches des familles des bérets rouges. À l'origine de ces graves incidents, la grande méfiance entre frères d'armes depuis le renversement du président Amadou Toumani Touré. Les deux corps se regardent en chien de faïence et les bérets verts réclament la dissolution de ce corps d'élite proche de l'ancien président Touré. Aux dernières heures de la matinée, le calme est revenu dans le quartier de Dukoroni des paracommandos. Faut signaler aujourd'hui la prise d'Agelhok et Tessalit respectivement à 105 de Kidal. Les soldats français et tchadiens patrouillent désormais dans ces différentes localités de la région de Kidal à la lisière de la frontière algérienne où se trouveraient les otages français. Pendant ce temps, c'est un sale temps qui prévaudrait pour l'ex-junte du capitaine Amadou Aya Sanogo. Depuis quelque temps, la presse fait état de tractations en coulisses auprès de la médiation de la CEDEAO et du exercice de la CEDEAO, l'Ivoirien Alassane Ouattara, pour une sortie honorable de l'ex-junte de la scène politique. Alassane Ouattara qui donne 10 jours pour la mise en place effective de la MISMA. Face aux accusations d'exaction à l'encontre de populations Touareg,
Le gouvernement du Mali vient de signer une déclaration solennelle de réaffirmation de l'engagement du Mali au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La cérémonie a eu lieu ce jeudi sous l'égide du Premier ministre, une initiative du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la promotion des droits de l'homme qui intervient à la veille de la Journée mondiale contre l'enrôlement des enfants soldats. En tous les cas, c'est le ministre français délégué au développement qui somme le Mali d'aller aux élections et d'ouvrir le dialogue avec les Touaregs. C'était à Bruxelles, à la troisième réunion du suivi de la situation au Mali. À cela, des élus de l'Assemblée nationale retorquent oui à des négociations, mais avec l'ensemble des communautés du Nord et non la seule ethnie Touareg. En tous les cas, en ce qui concerne les élections générales de 2013, sur un budget prévisionnel de 44 à 45 milliards de francs CFA, 25 milliards mobilisés sur fonds propres par le gouvernement, a déclaré le ministre de l'administration territoriale. Enfin, exit pour terminer le Mali de la conquête de Dame Coupe d'Afrique des Nations. Cette 29e édition a vu les aigles du Mali baisser la tête devant les aigles verts du Nigeria. Pour la 5e fois de son histoire, les aigles s'arrêtent en demi-finale. Le Mali se contentera donc de discuter ce samedi la 3e place face au Ghana. C'était depuis Bamako, Isaac Maïga, pour African Time, à vous New York. Alpha Condé, président de la Guinée, veut contrecarrer la marche annoncée de l'opposition. Cette dernière va donc s'asseoir avec le chef de l'État et tenter la discussion qui pourrait changer les choses. L'appel est lancé pour le 12 février 2013. Mamadou Baldé au micro de Dambabou. Vous avez vu une demi-finale exceptionnelle entre Nigerien et Malien. Les Green Eagles et bien les aigles verts du Nigeria ont cartonné les aigles du Mali 4 buts à 1 en demi-finale, ce qui était inattendu, même si beaucoup pensaient que bien le Nigeria sur le papier pouvait être favori, mais pas à ce niveau de la compétition. 4 buts à 1 en demi-finale, c'était dur. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de logique en football, donc les aigles verts ont battu les aigles blancs du Mali sur le score de 4 buts et bien à 1. L'autre demi-finale, Burkina Faso, Ghana, là aussi c'est un derby. Vous savez, c'est en fait Dambabou, deux footballs différents, deux styles différents, le football anglo-saxon et le football français, francophone. Et vous savez, le Burkina Faso également ne partait pas favori devant les Black Stars du Ghana, mais le terrain a parlé, même si le papier donnait le Ghana favori, mais sur le terrain, eh bien, les étalons du Burkina ont talonné les Black Stars du Ghana au tir au but. Donc, on a vu une demi-finale difficile pour les uns et pour les autres. Et au finish, eh bien, ce sont les deux équipes francophones qui se qualifient pour une finale. La finale va se jouer dimanche prochain. Certainement, African Time sera également au cœur de l'événement. Entre, le Burkina Faso et le Nigeria, pas francophone donc, il y a une équipe anglophone et une équipe francophone, une finale avant la lettre, bien sûr, qui a été jouée entre Maliens et Nigériens. Donc on va voir une finale, une affiche dure entre les étalons du Burkina Faso et bien les aigles verts du Nigeria. Que les meilleurs gagnent, car tout cela fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, avant cette finale d'Ambabou, il y a ce qu'on appelle la petite finale, le match de classement entre le Mali de l'autre côté et le Ghana. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ces deux formations se rencontrent, mais cette fois-ci, ça va être encore très difficile. Comment départager ces deux formations qui, sur le papier, sont tous favoris. Alors, on va voir qui aura le dessus sur l'autre. Donc, ça sera samedi, demain, pratiquement demain, entre Ghanaiens et Maliens. Merci Mamadou Baldé. On se retrouve dans un moment pour l'actualité sportive. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ses nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique. Il se situe au 229 West, 36e rue, au 3e étage.
entre la 7e et la 8e avenue, à deux rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 7501 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-ENGLISH, 1-800-364-5474, 1-800-364-5474. Demandez après André. Vous aimez les belles chaussures? Alors écoutez bien. Gora Sneakers au 40 West, 31e rue, entre la 5e et Broadway, est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon, tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Reebok, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds, offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 West, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du poste office. Téléphone 212-695-64-92. 212-695-64-92. Le premier ministre mauritanien, Moulay Ould Mohamed Lagdaf, a besoin d'une réforme du système éducatif. Il déplore un total manque de crédibilité de l'éducation en Mauritanie, qui est en inadéquation avec les réels besoins du marché de l'emploi. Kamara Seydi Moussa nous en dit plus. En Mauritanie, après l'échec manifeste de son système éducatif, les intellectuels du pays se retrouvent autour de la table pour les intervenants de l'éducation nationale. Ils apprennent des recherches de l'adéquation de la production de son système éducatif et le marché de l'emploi. À l'ouverture de ces états généraux de l'éducation, le Premier ministre a déclaré que le système éducatif national a connu diverses réformes. Beaucoup de stratégies ont été réalisées dans le but de développer ce secteur et d'élever son niveau. Et malgré toutes les tentatives, notre enseignement demeure dépourvu de crédibilité, enregistrant un recul de niveau et une inadéquation avec les besoins du marché et de l'emploi. Ce tableau noir est de l'école mauritanienne et du chef du gouvernement. Ainsi, le mauritanien pour un nouveau départ de son école doit préparer la Mauritanie à faire les deuils de cette école qui la puisse attirer et cultiver dans une nation tournée vers la science et le progrès dans la cohésion et l'unité. Une école qui a produit des générations de ni arabisants ni bilingues, ignorant totalement sa véritable histoire. Dans notre registre de la situation mauritanienne, pour la distribution de rations alimentaires chez les réfugiés maliens dans le camp de Mbéré et Bassikounou, la région est de la Mauritanie, les réfugiés manifestent depuis lundi 4 février pour contester la méthode de ces superviseurs. Une méthode qui consiste à aligner tout le monde dans le même rang, les malades, les femmes enceintes et les personnes âgées. Les manifestants ont détruit la barrière installée devant l'un des magasins de produits alimentaires avant d'être dispersés par la gendarmerie. Nous sommes en Mauritanie et nous y restons. Dans un débat télévisé, le président du parti de l'Union des Forces de Progrès, IFP, a appelé à la constitution d'un gouvernement d'union nationale comme une condition préalable à la participation aux prochaines élections. Mohamed Ould Mouloud a également affirmé la nécessité de la restructuration de la CENI, la nomination d'un nouveau directeur indépendant à l'état civil en plus d'une révision de la liste électorale. Pour le président de ce parti, qui s'appelle IFP, la CENI, dans sa forme actuelle, ne pourra pas garantir les élections transparentes, du moins que l'État s'occupera pratiquement de l'ensemble des opérations électorales. En Mauritanie, toujours, la presse mauritanienne renoue avec l'agression policière. En effet, des éléments de ce corps de maintien de l'ordre ont agressé ce mercredi un journaliste de la télévision privée El Mourabitour. La scène s'est passée devant l'essai de la Fédération mauritanienne de football à Nouakchott, où le journaliste était venu pour assister à une conférence de presse du président de la FIFA, Joseph Seth Blatter. Notre confrère a été sauvagement lynché par la police. Et pour finir avec la situation mauritanienne cette semaine, un coup de suspect découvert par les chiens de gendarmerie à l'aéroport de Nouakchott a été à l'origine d'une fausse alerte dans la nuit du jeudi à vendredi. Une équipe de génie militaire spécialisée dans la détection des explosifs a été dépêchée sur les lieux pour le traitement de ce colis appartenant à un voyageur d'Air France, dont le décollage a été retardé à cause de l'incident. L'aéroport a été évacué de tous les voyageurs et l'atterrissage de Royal Air Maroc s'est vu aussi retardé. Plus de peur que de mal.
par l'examen du colicite, il s'est avéré qu'il ne contenait qu'une petite quantité de viande séchée. Les chiens ont été apparemment excités par la présence de cette viande. Kamara Seydou Moussa pour African Time. Action. Au Sénégal, le système éducatif est perturbé, les revendications vont bon train et que veulent les syndicats d'enseignants? Écoutons les explications d'Ignace Ndeye. Nous démarrons cette actualité de la semaine au Sénégal par la grogne des enseignants avec ce vent de turbulence qui continue de souffler sur le système éducatif. Les enseignants en ordre de bataille pour la satisfaction de leurs revendications. Le QSEM, c'est le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement, du moins secondaire. Le CUS, le cadre unitaire des syndicats de l'enseignement. Le SAEMS et le CELS. Authentiques des syndicats d'enseignants se sont retrouvés ensemble pour faire face au gouvernement. Ils ont scellé ce syndicat, l'Union Sacrée, pour défendre, disent-ils, l'école sénégalaise. Ils menacent de paralyser le système les prochains jours si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Entre autres revendications, le paiement des salaires des corps émergents, le paiement des indemnités de déplacement liées aux examens, voilà entre autres sources de croyances de ces enseignants. Cette semaine, le pain a fait défaut. Dans de nombreux foyers en début de semaine au Sénégal, les boulangers ont en effet observé une grève refusant de fabriquer ce produit très prisé par les Sénégalais, surtout le matin et le soir. Des meuniers qui ont obtenu une légère satisfaction cependant après que le prix du sac de farine a été fixé à 20 000 francs le sac de 50 kg de farine. Une décision qui va seulement atténuer l'ire de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, puisque le prix de la baguette de pain reste vendu à 175 francs CFA. Et puis le désengorgement de la capitale sénégalaise, Dakar, on parie que se fixent les autorités municipales de la ville de Dakar. Eh bien, ces autorités sont passées à l'action cette semaine. Dakar est d'ailleurs en train de faire sa toilette. Les mairies se sont attaquées cette semaine aux occupations illégales dans certains quartiers. Les opérations de désengorgement qui n'ont pas été du goût de certains qui ont crié leur colère. Mais cette mesure reste tout de même saluée par une partie de la population qui s'insurge contre cette occupation anarchique et illégale des trottoirs par les épaves, les véhicules, des véhicules, des kiosques et autres gargouilles. La traite à l'occupation illégale qui cache une autre traite, celle-là des Malaki, une commission de recouvrement sera d'ailleurs bientôt mise en place, telle est la révélation faite par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Aminata Touré. Restons toujours avec la justice pour parler de l'ancienne directrice du Fonds de promotion économique FPE, Madame Ndeye Khady Gueye, inculpée pour trois griefs et placée sous mandat de dépôt depuis quelques jours. Il lui est reproché le blanchiment d'argent, le déroulement de deniers publics. La fille de l'NFL risque gros si ces accusations sont avérées. Donc, elle risque plusieurs années de prison. Un autre qui voit les taux se resserrer contre lui, c'est l'ex-ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Gomme, dans le collimateur de la justice pour une affaire de 4 milliards de francs CFA de marché de paratonnerre. Les éléments de la division des investigations criminelles DIC sont depuis sur ses traces. Et selon le journal Le Quotidien, Maître Ousmane Gomme a fait passer ce marché avec un industriel de la place. En politique, Landing Savané joue les sapeurs-pompiers sur les différents qui lient l'Alliance pour la République, APR du président Macky Sall et le parti réunis d'Idriss Seck. Dans un entretien accordé au journal Observateur, le secrétaire général de AGI, Landing Savané, dit accorder sa médiation et compte s'appuyer sur ses relations particulières entre les deux hommes. En sa qualité de responsable de la coalition, Benno Bokayakar, il n'a pas manqué d'appeler Macky Sall et ses camarades à la sérénité pour empêcher, dit-il, une rupture qui ne s'impose pas à ce stade de la marche de la coalition. Rappelez que depuis quelque temps, les membres de ces deux formations politiques, l'APR et Réunis, se lancent des piques par presse interposées. Un devoir de solidarité au peuple malien, c'est le message du chef de l'État, le président Macky Sall, au troisième détachement du contingent sénégalais devant participer à la MISMA, la mission internationale de solidarité au Mali. Le président de la République, Macky Sall, a qualifié l'offensive terroriste au Mali de menace directe contre le Sénégal, précisant l'engagement militaire
au Mali, que l'engagement militaire au Mali n'est pas une mission de maintien de la paix, mais une guerre juste contre le bien et le mal en vue de protéger le sanctuaire national. L'ex-président tchadien Hissène Habré s'achemine tout droit vers un procès. Les quatre chambres extraordinaires africaines ont, au sein de la justice sénégalaise, ont démarré leur activité à une mise en place de ces chambres extraordinaires qui se justifient par la nécessité du Sénégal d'harmoniser sa législation pour y inclure les compétences universelles des chambres composées des juges sénégalais et non sénégalais. C'est d'ailleurs la première fois qu'un tribunal ad hoc africain est créé des Africains pour juger un Africain. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal. À Dakar, pour Africa, Ignace Ndé. Tu veux devenir chauffeur de limo ou changer ton véhicule pour un meilleur modèle? Pense Luxor. Appelle Luxor et conduis Luxor. À Luxor, on ne regarde pas ton crédit. Alors viens chez Luxor avec ton permis de conduire, un stylo pour la signature et repars avec ta voiture. Il n'y a rien à payer jusqu'à l'obtention de la licence de travail. C'est facile. Luxor fait même le premier paiement de l'assurance pour ta livery et offre un minimum de 6 mois de garantie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Appelle Luxor et va chercher ta limo en special livery super sale. Pour plus d'informations, appelez Baila Keneme au 888 717 81 81. Baila Keneme 888 717 81 81. Ou alors va sur liverytrader.com. Avez-vous des vidéos à transférer sur DVD, des cassettes audio sur CD? Allez à Yat Ndendori de Mamadou Senghot. N'oubliez pas, toutes les nouveautés de la musique africaine sont toujours disponibles à Yat Ndendori avant d'arriver chez les autres longtemps après. Aussi, à partir de maintenant, Yat Ndendori envoie votre argent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, en Mauritanie, en Gambie et tant d'autres pays. Yat Ndendori, c'est un service de transfert d'argent en toute sécurité. Un bon taux de change et des frais d'envoi les moins chers à New York. Yat Ndendori de Mamadou Senghot est au 365 Lennox Avenue entre la 128e et la 129e rue. Téléphone 646 620 0933 ou 646 659 42 94. En Côte d'Ivoire, février 2013 et les hommes de Laurent Gbagbo continuent à tomber. Jean-Noël Abbaye et Jean-Yves Dipobieu, tous deux arrêtés au Ghana le 4 février, ont été expatriés en Côte d'Ivoire le mardi 5 février. Tout comme la précédente arrestation de Charles Blé Goudé, ces deux dernières sont aussi qualifiées d'enlèvement. Vrai ou faux, Étienne Tano. Le commandant Abbaye et Jean-Yves Dipobieu, extradé. Le chef d'escadron de gendarmerie Jean-Noël Abbaye et l'ancien leader du syndicat accidentin festif du pays a été arrêté par la direction de la surveillance du territoire ghanéen le lundi 4 février 2013. Les deux hommes proches de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été extradés vers la Côte d'Ivoire le mardi dernier dès l'aube. Ils ont été remis, selon des sources policières, à la police ivoirienne. Une arrestation qui d'ailleurs a été confirmée par un communiqué officiel lu sur le plateau du journal des 20 heures de la télévision nationale. Selon une source bien informée, l'ancien commandant du groupement de l'escadron blindé et l'ex-leader de la FECI aurait été piégé par un individu non encore identifié. Secteur de l'éducation nationale, 3 mois de prison avec sursis pour les enseignants grévistes. Après leur interpellation le lundi 4 février dernier, des enseignants grévistes ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction de tout maudit. Hier, jeudi 7 février, le verdict est tombé 3 mois de prison avec sursis. Du moins, c'est la décision rendue publique par le président du tribunal de première instance de la dite ville. D'ailleurs, nombreux sont les parents, amis et collègues des villes de Yamoussoukro, d'Aloua, Boiflay, et qui ont pris d'assaut le matin la salle d'audience du tribunal de première instance de tout maudit. Détourné au large d'Abidjan, le pétrolier français a été retrouvé au Nigeria. C'est le troisième navire qui vient d'être détourné dans les eaux ivoiriennes.
Et cette fois-ci, c'est un navire français qui a été détourné le week-end par des pirates au large de la Côte d'Ivoire, avec à son bord 17 membres d'équipage, dont 7 Togolais, 4 Béninois, 2 Sénégalais, 2 Ivoiriens, 1 Chinois et 1 Sud-Coréen. C'est un bateau pavillon luxembourgeois. Étienne Tano, Abidjan pour African Times. Au Bénin, la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique s'est fait mettre à sac. Ce lieu, gardé sous haute protection par des militaires, a maintenant un trou de 225 millions de francs CFA. Une enquête est ouverte. Les détails avec Salomon Dossou. L'heure était le lundi dernier grave à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La disparition de 225 millions de francs CFA a été signalée. Cela faisait suite au cambriolage lors du week-end écoulé de 4 bureaux du Trésor qui ont été retrouvés ouverts tôt dans la matinée de ce lundi. Les sources policières font état de ce que les portes de ces bureaux ont été défoncées et 225 millions de francs CFA, comme par magie, emportés par de vils individus. Suite à ce cambriolage, la police a aussi très tôt ouvert une enquête. Mais une interrogation taraude les esprits. Comment est aussi un important lieu bien gardé par les forces de défense a-t-il pu être cambriolé? Jonas Guyon, le ministre des Finances, a de son côté pour avoir très tôt des réponses aux questions légitimes. Il a fait appel au ministre de l'Intérieur, Benoît Degras. Et déjà, comme bien de personnes ne s'en doutaient, les premières investigations font état d'une complicité entre les cambrioleurs et les militaires chargés de garder les lieux. Il s'en est suivi l'interpellation de tous les militaires chargés de la surveillance de la Direction générale du Trésor le jour du cambriolage. Mais en attendant que les enquêtes ne soient bouclées, le ministre des Finances promet de mettre tout en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur cet inédit cambriolage. Salomon Dossou, Cotonou pour African Time. Votre compagnie aérienne préférée, Royal Air Maroc, est toujours à l'écoute de vos désirs et demandes. Vous avez réclamé plus de vols par jour en direction de l'Afrique, Royal Air Maroc répond positivement à cette demande. Royal Air Maroc vous offre le plus grand nombre de départs à destination des capitales africaines. Avec autant de vols partant de l'Amérique du Nord, votre temps de transit à Casablanca est réduit au minimum. Avec Royal Air Maroc, ce sont des tarifs imbattables et le plus grand nombre de destinations vers l'Afrique à partir de New York. Royal Air Maroc, c'est surtout un personnel accueillant qui partage vos valeurs et votre culture, qui connaît vos goûts et désirs. Profitez de votre transit à Casablanca pour goûter aux saveurs du Maroc. Pour plus d'informations et réservations, appelez Royal Air Maroc au 1 800 344 67 26 ou visitez www.royalairmaroc.com. Et d'autres nouvelles d'Afrique. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté vendredi aux funérailles de l'opposant assassiné Chokri Belaïde en criant leur colère contre le pouvoir islamiste en Tunisie, où des heurts ont éclaté malgré un imposant dispositif policier et militaire. Les funérailles ont pris des allures de manifestation contre le parti islamiste au pouvoir Ennahda. Accusé de cet assassinat sans précédent dans les annales contemporaines tunisiennes et de la crise sécuritaire et politique dans laquelle le pays est plongé depuis des mois. Alors que le pays était paralysé par une grève générale à l'appel de plusieurs partis et de l'Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT, 40 000 personnes ont assisté aux funérailles, selon le ministère de l'Intérieur, qui a fait état de 132 arrestations à Tunis et de dégâts aux bâtiments publics et locaux du parti islamiste en province. Le corps de Chokri Belaïde a été mis en terre vers 16 heures dans le sud de Tunis, tandis que des milliers de voix criaient « Allahu Akbar » avant d'entonner l'hymne national et de réciter le premier verset du Coran. Ama Amami, dirigeant du Front populaire, la coalition de gauche et l'extrême gauche à laquelle appartenait le défunt, a ensuite prononcé une oraison funèbre. « Repose en paix, Chokri, nous continuerons sur ta voie », a-t-il déclaré ému face à la foule plongée dans un silence solennel.
Les obsèques ont été émaillées de troubles des casseurs venus de quartiers proches du cimetière, ayant incendié des voitures, agressé des civils et jeté des pierres sur la police qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Sur l'avenue Habib Bourguiba, au cœur de Tunis, les policiers ont pourchassé des dizaines de jeunes manifestants hostiles au pouvoir qui scandaient « Dégage ! Dégage !» crie le ralliement lors de la révolution de 2011 qui a renversé le régime de Zine El Abidine Ben Ali. Tué mercredi devant son domicile à 48 ans, M. Belaïd était un farouche opposant aux islamistes. Aucune indication n'a été donné sur les auteurs de son meurtre. Le peuple veut la chute du régime. Le peuple veut une nouvelle révolution, a scandé la foule à l'entrée du cimetière d'El Djelaz, avant de s'en prendre au chef des Nahda, Rached Ghannouchi. Ghannouchi, assassin. Au Nigeria, 9 personnes ont été abattues vendredi dans l'attaque de 2 cliniques d'où étaient organisées des vaccinations contre la polio à Kano, dans le nord du Nigeria, pays où des campagnes d'immunisation se sont heurtées à l'opposition de militants islamistes, ont indiqué la police et des habitants. 9 personnes ont été tuées dans 2 attaques distinctes menées par des hommes armés venus en tricycle motorisé contre 2 dispensaires où des personnels chargés de l'immunisation contre la polio se préparaient à sortir pour mener une campagne de vaccination, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police. Les assaillants se sont enfuis, a-t-il ajouté. Un responsable religieux local avait dénoncé cette semaine les campagnes de vaccination et plusieurs programmes de radio locales ont répété les théories selon lesquelles les vaccinations sont un complot de l'Occident pour nuire aux musulmans. 6 personnes en tricycle se sont arrêtées à l'extérieur du dispensaire à 9h45 local alors que les personnels chargés de la vaccination anti-polio se rassemblaient pour la campagne de porte-à-porte de la journée, a raconté un habitant vivant près du lieu de la deuxième attaque. 2 des hommes portaient des fusils. Ils ont fait irruption dans le dispensaire et commencé à tirer. Selon une femme blessée dans la première attaque et hospitalisée, 2 hommes armés ont surgi dans la salle de consultation de la clinique où elle se trouvait avec 5 autres personnes chargées de la vaccination et ont ouvert le feu, tuant 2 personnes. Les assaillants ont ensuite mis le feu au rideau et se sont enfuis en fermant la porte derrière eux. « Nous avons rassemblé notre courage et cassé la porte parce que nous nous sommes rendus compte qu'ils voulaient nous brûler vifs », a-t-elle ajouté. 3 autres personnes blessées dans la même attaque ont été hospitalisées. Depuis 2003, la ville de Kano est particulièrement frappée par le virus de la polio en raison notamment de la suspension pendant 13 mois du programme d'immunisation. Les campagnes de vaccination avaient été suspendues après des accusations de religieux musulmans qui affirmaient que le vaccin rendait les jeunes filles stériles dans le cadre d'un complot américain pour dépeupler l'Afrique. Le Nigeria est, avec le Pakistan et l'Afghanistan, l'un des 3 pays au monde où la polio reste endémique. Un restaurant africain contemporain est sur le point d'ouvrir ses portes. Alors attention, attention, c'est J Restaurant chez Astamaram. Ce sera au 2479 de la 8e avenue, entre 132 et la 133e rue. Le numéro 212-861-36-63. Je répète, 212-861-36-63. Nous ouvrons maintenant la page de l'actualité sportive. L'actualité principale dans le monde du sport africain est bien sûr le football. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue pour le 10 février. Des détails avec Mamadou Baldé au micro de Dambabou qui font un retour sur les demi-finales explosives, notamment entre le Mali et le Nigeria. Vous avez vu une demi-finale exceptionnelle entre Nigérian et Malien, les Green Eagles, les aigles verts du Nigeria ont cartonné les aigles du Mali 4-1 en demi-finale, ce qui était inattendu, même si beaucoup pensaient que le Nigeria sur le papier pouvait être favori, mais pas à ce niveau.
la compétition 4-1 en demi-finale, c'était dur, mais comme vous le savez, il n'y a pas de logique en football, donc les Aigles Verts ont battu les Aigles Blancs du Mali sur le score de 4-1. L'autre demi-finale, Burkina Faso, Ghana, là aussi c'est un derby, vous savez, c'est en fait, Gambabou, deux footballs différents, deux styles différents, le football anglo-saxon et le football français, francophone. Et vous savez, le Burkina Faso également ne partait pas favori devant les Black Stars du Ghana, mais le terrain a parlé, même si le papier donnait le Ghana favori, mais sur le terrain, eh bien les étalons du Burkina ont talonné les Black Stars du Ghana au tir au but. Donc on a vu une demi-finale difficile pour les uns et pour les autres, et au finish, eh bien, ce sont les deux équipes francophones qui se qualifient pour une finale. La finale va se jouer dimanche prochain, certainement African Time sera également au cœur de l'événement. Entre, le Burkina Faso et le Nigeria, pas francophone donc, il y a une équipe anglophone et une équipe francophone, une finale avant la lettre, bien sûr, qui a été jouée entre Maliens et Nigériens. Donc on va voir une finale, une affiche dure, dure entre les étalons du Burkina Faso et bien les Aigles Verts du Nigeria. Que les meilleurs gagnent, car tout cela fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, avant cette finale d'Ambabou, il y a ce qu'on appelle la petite finale, le match de classement entre le Mali de l'autre côté et le Ghana. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ces deux formations se rencontrent, mais cette fois-ci, ça va être encore très difficile. Comment départager ces deux formations qui, sur le papier, sont tous favoris. Alors, on va voir qui aura le dessus sur l'autre. Donc, ça sera samedi, demain, pratiquement demain, entre Ghanaiens et Maliens. On poursuit avec la rubrique « Star de la semaine » d'Alain Tchenyon. Cette semaine, c'est Bob Marley qui est à l'honneur. L'anniversaire de sa naissance a été célébré mercredi 6 février 2013. Bon anniversaire, Mr. Marley. One love. Il a été l'une des principales icônes de la musique reggae, même si sa disparition a été prématurée 32 ans. De cela. Il est né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque, et mort le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bob Marley est la star de la semaine numéro 2 sur African Time. Né d'une mère jamaïcaine et d'un père blanc d'origine anglaise en Jamaïque, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, a de son vivant connu un succès interplanétaire. Et pourtant, le jeune adolescent quitte la misère de la campagne pour la ville de Kingston, où il rencontre Neville Kingston, dit Bernie Wheeler, et Winston McIntosh, alias Peter Tosh. Le trio suit des cours de chant chez Joe Ice. À 17 ans, Bob Marley enregistre sa première chanson, George Knott, un chef-d'œuvre que signe le producteur Leslie Kong. En 1903, Bob Marley, toujours à la conquête de la performance, forme avec Junior Brunswick et Peter Tosh le groupe vocal de Wheeler, autrement dit les Gémisseurs. Les portes du studio One vont s'ouvrir à cette nouvelle équipe en 1964. Résultat, la sortie des premiers morceaux du ska gospel Rhythm and Blues. C'est donc un début d'une nouvelle aventure. Bob Marley se marie en 1966 à Rita Anderson, rejoint sa mère aux États-Unis. Là-bas, le jeune travaille pour rejoindre les deux bouts et s'intéresse de plus en plus au mouvement Rastafari. Mais la vie ne sera pas rose pour Bob Marley. Au défaut de distributeurs professionnels, l'artiste va faire face à des difficultés liées à la vente de ses disques.
Il décide alors de se retourner dans son pays natal pour ce qui, dit-il, se ressourcer spirituellement. Mais le dieu du reggae ne baisse pas les bras, il enregistre et publie au nombre de 45 tours. En 1969, Bob Marley repart aux États-Unis où il fonde les disques Tuff Gong, enregistre une reprise de James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, mais toujours un succès. 4 ans plus tard, Bob Marley rencontre Eric Clapton en Jamaïque, qui reprend en 1974 I Shot the Sheriff, un gage de succès total. Le 3 décembre 1976, peu avant son concert à Kingston, Bob Marley échappe à une fusillade déclenchée à son domicile par des hommes armés. Sentant sa vie désormais en danger en Jamaïque, Bob Marley se réfugie à Londres où il enregistre des albums à succès total. Sa relation avec la Jamaïcaine Cindy Brunsfield, Miss Monde 1976, va alors lui ouvrir les portes des médias internationaux. Bob Marley va rester et demeurer le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, celui-là qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience interplanétaire. On continue avec la Minute Beauté par Daoumbaï qui nous donne tous les secrets du miel ce soir. Cette chronique ne représente pas un conseil médical. Bonsoir à tous et bienvenue pour la Minute Beauté. Alors donc, après avoir abordé bien sûr les bienfaits les semaines précédentes du bicarbonate et du citron, qui ont d'innombrables vertus, aujourd'hui nous allons vraiment nous intéresser à un allié aux multiples avantages. Vous savez, cette substance fameuse produite par nos amis les abeilles à partir du nectar qu'elles récoltent dans les fleurs, ce fameux allié naturel est utilisé depuis des siècles et des siècles et des siècles par nos aïeux. Et oui, je parle bien du miel, ce véritable don de la nature. On connaît bien sûr le miel pour ses vertus parfumées qui parfument délicatement nos plats et qui donnent beaucoup de gourmandise, autant pour le sucré que pour le salé, et bien sûr qui est le partenaire idéal pour nos desserts les plus gourmands. Mais sachez, mesdames et messieurs, que le miel a des vertus innombrables et super pour la santé et pour la beauté. Pour la santé, déjà, il faut savoir quelque chose de très important. Le miel est très peu calorique, c'est-à-dire qu'il peut remplacer quotidiennement le sucre sans problème. C'est parfait pour les personnes qui veulent garder la ligne ou qui veulent vraiment baisser leur taux de sucre quotidien. Également, il fortifie les os, l'ensemble du corps, il stimule les muscles cardiaques, il booste les performances physiques et intellectuelles. Pas mal, hein, déjà. Également, en cas de brûlure superficielle ou petite égratignure, il est vraiment parfait parce qu'il stoppe en fait la prolifération bactérienne, il stoppe carrément l'infection. Au niveau des rhumes et des maux de gorge, il est parfait bien sûr associé à notre ami le citron. Pour la digestion également, il est énormément recommandé pour calmer tout ce qui est aigreur et maux d'estomac. Et il y a un atout aussi qui est très 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 bien au niveau de la santé, c'est pour l'insomnie. Effectivement, mesdames et messieurs, si vous avez des problèmes d'insomnie, vous n'arrivez pas à dormir quelque soir, il suffit juste de prendre un grand verre de lait chaud, ajouter une grande cuillère à soupe, justement du miel, pour pouvoir dormir. Pourquoi cet effet? Parce qu'en fait, le miel, c'est un hydrate de carbone, et en fait, il libère de l'insuline qui va provoquer une action somnolente sur le corps. C'est super, hein, mais c'est pas fini. Au niveau de la beauté, le miel est un véritable élixir, une vraie jouvence. Premièrement, très important, il est idéal pour les peaux qui sont très très, très très fragiles. Il a vraiment des propriétés calmantes. Si vous avez la peau un peu réactive, appliquez un tout petit peu de miel sur le visage, laissez-le agir 15 minutes et c'est parfait. Rincez ensuite à l'eau tiède. Au niveau de l'éclat de la peau aussi, il est super. Parce qu'il suffit juste de prendre une cuillère à café de miel mélangée avec de la pulpe de carotte pour vous donner tout un éclat. Donc également, le laisser 15 minutes et ensuite le rincer à l'eau tiède. Pour fortifier le cheveu, le miel va être super. Avant un shampoing, une grande cuillère à soupe de miel, une grande cuillère à soupe d'huile d'olive et c'est parti. Il est également très important et très positif pour les personnes qui ont beaucoup d'acné
et d'eczéma. Génial le miel, un véritable don de la nature comme je le disais. Info plus, on peut trouver le miel dans les rayons alimentaires de nos supermarchés, en parapharmacie ou en pharmacie, en moyenne à 2$, pour un prix en moyenne donc de 2$ les 500 mg. Génial, hein ? Alors franchement, c'est pas beau la nature ? Merci à vous, Dambei, pour African Time. À très bientôt. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dame Babou va maintenant prendre le micro pour le journal en Wolof. Comme vous le savez, on attend la tempête de neige ce soir à New York. Alors, pour les plus courageux, couvrez-vous bien. Et tous les autres, restez au chaud. Nous, en Afrique, on ne connaît pas ça, mom. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition d'African Time sur WPAT 930 AM. Bon week-end. Aïssata, avant de démarrer, je voudrais te dire bon anniversaire. Merci beaucoup, merci. Bok yi ñi ngi leen di nuyu te di leen gërëm ci déglu bi ngeen def seen émission fii ci African Time ci WPAT 930 AM. Yéen a ngi ñu déglu itam ci yolole.com ak ci téléphone bi 979-282-4228, 979-282-4228. Seen mbokk dam baab moo ne ci micro bi, moo nekk itam ci machine bi. Niñ ko baaxoo def ajuma ju nekk, noonu lañ ko defee ci ajuma yi tey jii yem ak juróom-ñetti fan ci weeru février 2013. Danu leen di andil xabaar yi, bu ñu noppee door leen andil yëgle yi balaa nuy tàggoo ak yéen. Waaye nag yëgle yi moom dana ci am boo xam ne tey jii moom la nuy ubbee sax bala nu leen di jox bopp xabaar yi. Ndaxte xam ngeen ne seen émission bi ngeen di déglu African Time am na ñaar fukki at léegi, te dañ ko nar a màggal bu rëy rëy rëy. Ñi ngi fas yéene bu ñu fi yàlla bàyyee ba fukki fan ak juróom ci weer wi nga xam ne mooy weeru mars wii ñu jublu, day am benn conférence diplomatique bu mag a mag boo xam ne dañu koy def fii ci New York. Bala moo yegg si dañu leen fan la ak kañ la Cheikh Tidiane Gadio mi nga xam ne moo ñun ñoo àndoon taxawal émission bi ñoo ko fas yéene def ak ministre Mankeur Ndiaye ak yeneen ministre yu bari yu jóge Afrique. Danañu leen wax heure bi ak fan lay nekk balaa ñuy yegg si ci loolu. Waaye itam buñ ca jógee ci suba sa ñoom di jëxule xam ngeen ne seen wàll ñoom it danañ ko am ki nga xam ne moo nar a nekk suñu invité mooy Aïda Samb. Ñu tas fii ba mu ne wesar buñ fa jógee nag ca gannaaw suba sa gannaawaati suba sa di talaata bu soobe yàlla ci la ñuy am waxtaan wu am solo ci mbiri diine mooy immigré ak l'islaamam. Ki ko fas yéene def nag Alioune Sall Oustaz Alioune Sall bu Sud FM, ngeen xam ko yéen ñëpp. Kon jàpp leen ko le 19 mars ci la fas yéene am. Daanu ci delu seeg yéen ci lu gën a yaatoo wax leen ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndal, ñi nga xam ne ñoo koy sponsorise ak ñi ko parrainé yëpp daanu ñëw wax leen ko ak yéen. Sénégal ba tey mën nañu wax ne rek xeexu Mali ba seen xeexu bopp la. Ki nga xam ne mooy Macky Sall wax na jàmbaar ya doon dem tey jii ne leen bu ngeen demee ci xare ngeen jëm du am fo du dem naan damay dimbali ji waate xare la boo xam ne Sénégal ngeen di aar. Te nag li wone ne Sénégal la ñuy aar mooy nenañ jàpp nañ kenn ci caaro yi ñu naan benn imaam la bu ñu ne ca ñooñee nekk ca Mali ca la bokkoon di jëmoo indi musiba ca Sénégal. Loolu Pape Ndao dana ci dellu seeg ñun, Pape Ndao dana dellu seeg ñun itam ci atte bi nga xam ne dañ koo fas yéene def Hissène Habré. Ñu ne daf doon def musiba ca réew mu mu jiite woon di Tchad moom itam tamul daw làqu ci Sénégal. Ñu ne dañ ko war a atte léegi daal africain bu defati ay toj-toj ci sa réew bul yaakaar ne raw nga foo manti làqu si danañ la mas a jàpp atte la. Loolu tàmbali nañ ko fi mu ne ca Sénégal. Ndey Khady Gueye itam kët dafa mel ne nenañ ko daañu ko atte te bu Serigne Mboup bu CCBM deful ndànk nenañ ko bu ñu wëtul danañ la booleeg ñoom. Loolu yëpp Pape Ndao dana ci dellu seeg ñun. Loolu yëpp li ko waral nag mooy xaalis bi ñuy wër rek bu ñu ne gars yi fi jiite woon réew mi ñoo ko rawale. Loolu Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite wàllu yoon ci réew ma nee na sax taxawoon nañ kuréel goo xam ne jëli xaalis boobu rek moo leen tax a jóg. Loolu daanu ko laaj Pape Ndao ak yeneen yu baree bari. Daanu waxtaan ak Pape Ndao itam ci li nga xam ne dañu wax ne Serigne Cheikh Bayte Cioun may nañ ko mu mën a dem France faju ji. Waaye ña nga naan ku muy àndal ku mu dul àndal dañ ko may bàyyim ne gëndiku wala dafa mel ne prisonnier la bu ñuy boole ak ay nit ñu di ko xaw taxaw. Loolu yëpp Pape Ndao dana ci dellu seeg ñun, Pape Ndao dana dellu seeg ñun ci yeneen xabaar yu gën a bari yi nga xam ne dafa jóge Sénégal. Dégg ngeen itam ñu wax ne ca mairie ba ca Sénégal ca Ndakaaru
maire ya fa nek yeb taxaw nañu and ak police ba and ak préfet ba and ak administration ba ñu né maire di Dakar dal fu fa way tégeati fo xamné momulo vanko tek dañu ko fam dañu ñew yëkëti ko boko yëkëti lé sa bop baxna boko yëkëtul sa bop dañu ñew mabuko kon nak waxtaan nañ ci ak Cheikh Gueye mi nga xamné mo top ci Khalifa Sall moy maire adjoint bi mu léral ñu ba xam loolu lan mo tax mu jog bala ñuy delu ci ak Alhaji Malick Ndiaye ci lu jëm ci mbiru tagat yaram bi no ngi doon jëma jot suñu mbokk Khadim Samb waye ba légui mënaguno yegg ci mom kon nak xamna né non lañ koy dal défé jagen jëf kon ñu dal di tap té nak di leen fatali né pam ndaw mi ñuy bëgg jokkol ki leen dimbali ba ngeen man ci jot moy Si Pharmacy pam ndaw kon nima ko waxe ci bop xabar yek dañu daldi ñew ak yow ci li nga xamne president Macky Sall yebé nako jambar yi nga xamne ñoy militaire Sénégal yey dem Mali amna ñu leen jitu joon sax mais contingent bi nga xamne mo doon dem tay president bi jom jox na leen raay ak rew mi yab leen pam ndaw ni nga ko waxe non la amé damba bu suñu jambar yi amna ci ño xamne ni tay lañu naw dem fa nga xamne bi modi rew Mali ngir jappal ji France ak armée Mali ci xex bi nga xamne bi mom lañu xex say sa dal seen kaw Macky Sall nak tay bi nga xamene bi mi ngi jébal drapeau bi manam raay réew mi ñi nga xamene bi modi suñu jambar yi limu leen xamal rek bok na ci deey Sénégal dafa dal di rek ñew bok ci li nga xamene bi mom la réew yépp and fasiyene jappalé Mali songo ak say sek Samba Boy yi nga xamene bi ñom ño nek fofu Macky Sall nak wax suñu jambar yi nañu japp ne demuñu mission de paix wala jéma dem pour sécuriser guerre mo leen tax jog dañu dem xexi te itamit neena lolu da fay laaj lepp lo xamne ni fitna la ak violence manam nim ko waxe ci gattal da fa ne lepp nañu exercer lepp lo xamne ni violence la ci kaw say soso nga xamne ni ñom lañuy xexal fofé ci diwan be Macky Sall nak neena amul nax amul neexal amul négocier amul maslaha pepp ñu leen fekk nañu leen fagaagal rek def leen ben voyage bu ko defé mbir mi fété bo parce que li woor modi da fa fekk ne ñooñu buñu paré won ci Mali yenen réew lañuy dem di songi ba tax na nak président Macky Sall kañ dal di rafet nit li nga xamné bi armée Sénégal nonu la seen xam xam ak seen xarala jëm ci mbirum soldat manam dal dam babu ci gassal Macky yépp na ñi nga xamné bi moy suñu jambar yi doon dem tay ci Mali ne leen dal buñu yox yi buñu delu ginaaw buñu ragal fepp fuñu gis ku ñu mel rek nañu ko def ni ñuy def mat ci la waame dafa melni pap ñom kat xaruñu sax bay bu mané dafa melni ñom xaruñu sax bay nopi ci Mali ndax nenañu amna ci ñu ci jema ndew ruru duggu Sénégal ba ñu né amna ben imam buñu japp ci Tiaroy ba diko jinné ci la bok ci lu leer dam babu ben imam bo xamné bi ñu koy wax Boubacar Janko mom Boubacar Janko ñu ngi ko téggé loxo feulé nga xamé ni bi modi Tiaroy nek ci banlieue Dakar bi wala Tiaroy gëna fété Pikine ak Guédié Way ndax mom Boubacar Janko momu dañu japp né ku djégé lool la ki nga xamé ni bi mo jité Moujao di ben bankas bu bok ci Al-Qaïda au Maghreb islamique ñu né nak mom Boubacar Janko momu bi nga xamé ni bi tek nañu ko loxo dañ ko dal direct placer ci li nga xamé ni bi mom lañuy wax mandat dépôt ndax juge bi nga xamé ni bi mom lañu ko djébalon mo juge 4e cabinet mom daf ko tourmal ñetti mbir yo xamné yi dal manam ñetti chef d'accusation la tek ci kowam ba mu koy inculper daf ko wax né liñuy wax mbirum association de malfaiteurs manam ay say ak ay Samba Boy yo xamné dañoo def groupe ngir def ay ñaawteef ak ñombé benen bi ñu yok ci attente à la sûreté de l'état ak tamit terrorisme ñu wax ni rek fim nek ni Boubacar Janko mom ma nga ca kasso ba ñuy xaarani nak lolu damba bu da fay gëna firndel li nga xamene bi ñu ngi doon wax na nit ñi nañu bayyi xel parce que leer na leen ne tay ji ñi nga xamene bi dañoo bok ci say soosu dugg Mali leer na ne ñu bari ñu ngi ci biir réew mi parce que buñu japp ne rek ay arab la wala ay nar dédét amna ci ño xamne sax ay sénégalais lañu wala ay maliens ak yenen xet yo xamni war na mëna tax nak nit ñi gëna ubbi seen bëtt ñi ne mel fuñu leen gis ñu kalaama leen baanu signaler leen wa defena lu mata bayyi xel la ndax té déjà ñi ngi wax né tay ji ci gaaw sax tambali nañ fa ay ñi nga xamne dañu tak seen bop ay bombu tal ko ci biir mbolo ba ray nañ fa ay nit kon lu mata bayyi xel la pap waye bala ñu dañu daldi jall ci leneen waye batay ci mbiri Afrique lay doon ndax té ki di Hissène Habré mu nekkon président wu Tchad xam ngeen né dafa laqusi won Sénégal boba ak légui mat ñaar fukki at
nenañ nak atté biñ doon juñu dañ ko def ak duñ ko def dafa melni taxawna de waaw atté bi taxawna dam babu melni gouvernement Macky Sall li nga xamné bi waxon nañu né dinañ ko def delu wuñ ci ginnaw yox yoxay wuñ ci ndax ñu ngi doon japp naan juroom ñett fan ci wéru février wi ñu nek da ñu taxawal mbir mi kon fi mu nek ni mbir mi taxawna té tamit ki nga xamné bi modi Ali Siré Aliba mom moy magistrat bi nga xamné bi mom moy jité mbir yoy kon taxawal nañu chambre africaine extraordinaire yi nga xamné bi ñu ko amal ci biir juridiction sénégalaise yi ñom door nañu seen liggéey niki altiné ji ci palais de justice bi nga xamné bi mom lañuy wax palais de justice la door bu Dakar ci mu nekk ni nak avocat yi ñom tamit commencé nañu daldi xural baat ndax ñu ngi leen di dégg parce que li ñuy wax no rek modi mbir mi nañu ko tek ci yoon atté bi nek lo xamné ni du am par parlo du am lo xamné ni dal dañ ci jéma am luñ ci arranger wala ay mbir yu mel manam dal lepp nañu ko tek ci yoon ndax xam nga yang koy jundju legi Hissène Habré mi ngi fi ci suñu rew bi nga xamné bi régime am dafa daanu ci atté 1990 ba legi mi ngi ñew daldi laqatu ci fi te xam nga Hissène Habré 1982 ba 1990 mom mo jité won rew mom nga xamné bi modi Tchad dañuy wax nak naan dañu ko tourmal dal lu démé niki complicité manam ci walu ay acte torture ak yu démé yo xamné ci bamuy ayé ci rew ma jité ko ci la fa mbir yoy doon amé xam nga nak mbir gaay yëkëti won dañu ko atté ñu jëm ko calamé ji fé nga xamné bi modi Belgique doon ko laaj Sénégal ndékkon nañ ci wax ay mbiram ñu naan mënuñu ko atté duggal fi gënal fi dem na ba mujju dal guddu gatt légui dam babu mbir mu taxaw na nar nañu ko atté ba ñi nga xamné bi ñom ñoo ci doon son lu ni mel ngir mu am fi mu nekk ni nak taxaw nañ japp na rek tay mbir yi door na am na ñoo xamné bi ñom ñi ngi bok ci Human Rights Watch ñi ngi wax naan fi mu nekk ni tay ji mbir mi nañu ko taxawal rek mu dem ñoo xamné bi da fay gëna gaaw te itamit lepp ñu tek ko ci yoon mais instruction bi ñi ngi wax naan fi mu nekk ni tay ci walu yoon lu gatt war nañu mëna soxlo lu toll ci fukki wër ak juroom yo xamné war nañu ko mëna def instruction bi bu ko laajé ñu dem fa nga xamné bi modi Tchad def fa ay enquête dem tamit Belgique def fa ay enquête lepp lo xamné ni war na gëna mëna léral dossier bi pour ñu xol ndax Hissène Habré war nañu ko mëna top wala waruñ ko mëna top danañu ko atté wala duñ ko atté loolu yëpp danañu ko jambar saytu ko bu mu fété bor mais en tout cas dal li woor modi dam babu ñi tamit nek na avertissement bo xamné ni da fay soxal képp ko xamné ni ñitu réew nga fi ci suñu dund Afrique bi parce que nak dana len wonné ëlëg ci ci bir képp ko xamné ni tay ji nga nekké ci nguur gi def nga fi naka sulul nonu wala nga def ci ay ñaawte fa gi ñombé ëlëg ci bir dana lu mëna tek loxo dal lay indi yow tamit atté la dam babu dafa melni kon Macky Sall loolu mo nekk ci xalam bi mu naan man kat sama conseil d'administration mana ñi jité société bi ma nek ci bop bi ñom ñoy peuple Sénégal bi waaw Macky mom lu leer nañ la wax néna fim nek mbiri nañu ko tek ci yoon rek na leer manam du am lenn lo xamné li dana fi leunteti mom wax na ko ci lu leer néna conseil d'administration ndax xam nga tay ji bo xolé société yu mag yi dafa am lu ñuy wax conseil d'administration mom mo koy jité mbolo mo xamné ni ñom ñoy ñew waxtaan dal di xol yeuf yi nan lañ koy doxale nan lañ koy téréle nan lañuy nassé ak nan lañuy noté Macky Sall nak mom néna conseil d'administration mom ñi nga xamné bi mom moy conseil d'administration modi peuple Sénégal manam askanu rewu Sénégal ñom ñoy conseil d'administration néna tamit bësu woté ba moy doon bëss bi nga xamné bi moy nek bësu délibération manam lolu da fay indi wala da bëgg wax ne rek mom lepp lo xamné li daf ko liggéey wala li nga xamné bi moko ñor moy bëggu askanu rewu Sénégal bu doxalé nak askan rewu Sénégal tek seen bëtt li nga xamné bi mom la doxal bëss bu woté joté bëssu woté ba moy doon bëssu délibération ndax xam nga conseil d'administration buñu waxtané ba paré nak ba waxtané fété ba dañuy dal di def délibération dal di woté nak ndax d'accord nañ ci liñu japp wala dét bu nga fekké ni bi ñi d'accord ñoo ëpp ñu dal di adopté mbir bi manam ci gattal dafa bëgg wax né bu liggéeyé lu leer lu jaar ci yoon lu téggu ci yoon bëss bu ñu démé ba tollu ci woté bu boba rek bu talalé loxom ba mu laaj carte yi dañu ko jébal carte yi parce que dañu leen leer né mom liggéey moko taxoon jox mais li tiaxan lolu nak dam wax la mala lebu la nañu top ba ca kanam rek donté parce que nak fi nek am na ño xamni ni ñu ngi wax naan ñom CRB ak wissé bi wax deug yalla gënné copper ñu gis ko nak mo gën parce que réew mi lég lég dam nga gis ci tamit ñu doy war ño xamni ni ñom tank ñu ngi am luñu lek bayyi wuñu xel mbir mi fu mu joggé bayyi wuñu xel xaaliss bu fu mu joggé mais dal Macky mom dafa du moy wala fasiyene du moy bok ñi nga xamni bi non lañ ko doon doxalé demb ak barki den na lepp jaar ci yoon rek wa pap kon may ma manit ma séti as tout tu ñëwaat ndax loolu itam du ci mëna ñak demal te ñu
Karatour and Travel mingi nek ci 38 West 32nd Street room 1501 telephone 212-683-2223 deglu len ma wax len lu nexa nex bodé dawal library wala limousine wala nga bëgg amat auto bu gëna bess sa boss demal nga séti luxury motor car kën du sét ndax sa crédit baxna wala baxul liñu lay laaj nga indi walé ko rek moy indi walé sa license bu valable ak sa bindukaay dal di signé dal di dawal sa auto bu féké né ya nga ak sa license dañu la approve duñu la laaj ndax am nga crédit bu bax wala dét da nak duñu la faylo bénn dërëm li fék auto bi amul license yi mu soxla yépp ba nga mëna dawal dañu dem sax ba nga xamné assurance bi wër wu jëk yi ñoo la koy fayal té da nak dañ ci yok né la auto yu bax lañu yo xamné garantie bi djuroom bénn wër yu jëk yi lu ci né mejj nga ñëw délo ci ko ñu dal la koy jox demal nga séti luxury motor car ñu dal lay jox sa auto ci ni mo gëna gaawé bo ci bëggé xam lu gëna lër man nga wo bayla kenemé ci 1-888-717-8181 wala nga dugg ci sen website liverytrader.com fuñu ko waxe ñepp yaakar ne mënu la am ndax day neex lool Omar Diop interprète computer ñëwatina ak ben spécial bo xamne buma leen ko waxe li fek demu leen fa de ngeen di yaakar ne mënu la am Dell computer bu baax lool and ak écranam ñu di leen ko jaayé $139 rek way nak xam ngeen ne loolu kenn du ci am lu bari lool bu ngeen bëggee am ci computer Dell yoy nga xamne desktop la bu and ak écranam and ak keyboardam and ak mouse ba ba ca charger ba lepp ñu bolé ko di la ko jaay $139 da ngay dem Interprète computer mi ngi nek ci 15 West 116th Street ci digënté 5th ak Lennox Avenue moy ba nekkon ci digënté 5th ak Madison tuxuna bu yag légui mi ngi ci digënté 5th ak Lennox Avenue téléphone 212-423-9750 Omar Diop nena xamone ngeen ne bu ubita classe joté soxla yi bari ngeen wara jëndal seen domi ay computer dana ci jog def ci lu mu man motax mu di len jaay Dell computer buy dox namu wara doxé and ak écran and ak keyboard and ak mouse lepp pour $139 wo len ko ci 212-423-9750 wa pap bi yaangi don wax ne Macky Sall nena mom ñi nga xamne ñom rek la bayyi xel moy peuple sénégalais bi mais amna ñu fi jité won ñomit séri ciow mi ngi woy ba légui ndey khady gueye mi ñu waxon né dem na kasso atu dalen rek sax serigne boub dé waw dam mbiri ndey khady gueye dé dafa melni liñu nan ciolo la wala sahar la kaw la jëm ndax nak mom ndey khady gueye xam nga fi mu nekk ni mo jité won est ñu tuumal ko xaliss yo xamne da ko luubal jël nañu ko nek ko rap ci kasso bi mais tay mom ndey khady gueye da fay takal nak ko demé ni ki serigne boub mi nga xamné bi mom mo gissé CCBM ndey khady gueye mi ngi wax nan CCBM di keur gog nga xamné ni serigne boub moko jité luubal na lu toll ci ñaar téméri milliard ñu tek juroom ñetti téméri million ci suñu copain nga gis né nak bo moytu lool dina fi indi ci aw lo xamné ni mosuñu ko dégg fi ci suñu réew parce que dañuy wax nan ville bobu nga xamné bi mo dox seen digënté mi ngi door ci atum 2008 mi nga xamné bi état bu sénégal dafa doxalon wala bëggon yëkëti ben politique bo xamné ni liko taxone jog moy réguler manam dal fexé ba ñëggu danger de première nécessité yi daldi et téggu ci yoon ba taxone nak ñu né dañuy taxawal lu toll ci ñetti témèr ak juroom fuk ci ay magasin de référence yo xamné ni dañu koy dénk makanu jëwriñ gi nga xamné ni bi mo yoré mbirum ñënd ak ñay jamono yoyu nak ndey khady gueye mu jité won li nga xamné bi modi FPE mu dal di génné nak lu toll ci wala bok ci lañuy joxone ndey khady gueye lu toll ci 2 milliards yo xamné ni dañu ko waron doxal jëm ci mbir yoyu dal di génné nak ben cahier des charges bi biñu ko génné dañu waxon nak né financement bu ñëkk bi nguur gi day génné lu toll ci 60% manam témèr bu né nguur gi génné juroom ben fukki ñi nga xamé CCBM ci bopam wara indi ci témèr bu nek fanwer li ci dess muy fukki alors ñu compléter ko ak apport ñi nga xamé bi ñom ñodi bénéficiaire mais dañuy wax né
serigne boub lolou nga xamné bi mom mo waro nek apporam daf ko dexewulon ben yon mais yemul fofu rek fpe dal ko daf ko dal dalon di lebal wala mu avance ko lu toll ci djom ñaar témeri million yo xamné yi mom le ccb warono duggal ci walu financement mais ndey khadige mom moko joxone walu financement bobu nga gis nak né ci cippa ndaw la mbir mi dem ba toll ci ñaari milliards yu tek témeri million yo xamné yi joxat nañ ko ccbm nga gis né bo bolé yépp mu nek ñaari milliards yu tek djom ñetti témeri million ci lo xamné ni nak serigne boub dafa am lu ci warone duggal té lolé lepp duggaluko mais lenen li ci gëna doy waar modi mbir yi dafa warone fété bo jeex tak ci atum 2011 boba la warone fété bo mais bañu démé fofu nga xamné ni fa la yëf yi warone jeexé ñu warone commencer remboursement bi fekk na sax CCBM bu serigne boub ñu motalu guñu liggéey bi nga xamné bi mom lañu warona doxal ndax jamono joju dafa fekk téméri boutique ak fukk dong lañu taxawalon ci limu ñetti témèr ak juroom fukk yo xamné waron nañu ko taxawal ba tax nak gaay japp né détournement fofu la dal di am té lolu daam ñi nga xamné bi ñom ñoko peñal du ay woya woya du ay ño xamné ni seen wax ay leba lebo nek lepon lay doon waye cour des comptes ñom ci seen bop ño feñal bir momu ginnaw vérification bo xamné bi dañu ko dal di def yemuñu fofu rek dañ dem ba yok sax né ñi nga xamné bi modi CCPM nañu leen joxé won marché bi sax mo ñëk ñak jaar yoon parce que respecté wul ben yon procédure passation de marché yi té lolu ñi nga xamné bi moy direction centrale des marchés publics démon nañu sax ba ñom ñoo ñëkkone fessel mbir momu té tay ji boy xol boutique yoyu da naka lañ ca jottone ubbi donté motulon la ca jottone ubbi sax yépp tégna ba mu dess ay ben yo xamné tay ñu nga nekk ci diwanu Touba nga gis nak né dam babu tay ji taxna cour des comptes li nga xamné bi mom la ñëk tek ci table bi dafa wax ne jeuwriñ gi nga xamné bi mom lañu denk nafay rew bi li wara nek salam aleikum ci walu liggey bobu moy nañu pogné ki nga xamné bi modi serigne boub dal di koy talal loxu mu jël ñaari milliards ak juroom ñetti témeri million yoy nga xamné daf ko ne fan diix te waruko won dal di koy dello nga gis nak ne kon bo moytuul menen mbirangi non wala mbirangi ni bu nara dal ci ko bop serigne boub bo xamné yi bo moytuul du yomba lijeenti parce que lo xamné ni nak cour des comptes ñom ñoko fekk ak walu tribunal ak juge waxuma ne du ci muccu de waye bo moytuul mom faaw loxo dugg ci poste wala loxo dem ci poste bu fekke ni bi bëgg na rek mbir mi jam fekk ko ba may amna ño xamne itam kat ñom dafa melni dañ leen doon denk ay milliards yoomi ñom ñu ne ci faax dencal ko gaay dafa melni ñomit jam naru leen ci fekk buñ deful ndank muy notaire yi de waye daam ci lu leer xam nga gaay goxi lañu wax dañu ne kep ko xamne ni laal nga ba jégué nga ba denk nga ba xex nga du dal doko wonasu di nga ko goxi lolu nak dañu wax ne tay ji notaire yi nga xamné ni dañoo jégué won lenn ci jëwriñ yi nekkon ci gouvernement Abdoulaye Wade notaire yoyu lañu wax né bo moytuul dañu dugg ci goute wala dañu dugg ci ay jafé jafé parce que tay ji nak justice mi di jël ba tek ko ñi nga xamné ni bi ñoo di notaire yoyu parce que nak dañu wax né daf ci am ño xamné ni ñoon dañu fe nekkalon jëwriñ wala yenn kangam wala borom yenn ndombo tank yo xamné dañu nekkon ci gouvernement Abdoulaye Wade parce que tay ji ñi wax naan amna notaire yo xamné dañu dimbalé won ko démé ni ci ay Omar Sarr wala Karim Wade ak ñeneen ñu démé ni ki ñom dal di leen laqal li nga xamné bi mom moy copper yo xamné dañu ko loubal wala dafa am no xamné bi dañu ko doxalé won noon tay ji sax ñu ngi wax naan xaaliss bobu ñu koy xayma ci lu toll ci fukki milliards ak benn ci suñuy copper ba tax nak ñuy wax naan fan yi ñuy sentu bo moytuul notaire yoyu dañu jëflanté ak walu yoon pour ñu dal di gënné xaaliss bobu nga xamné ni mom lañ leen jox ñu loubal ko parce que dañuy wax naan né tay ji notaire yoy dañoo tok ci lo xamné ni ab véritable trésor de guerre la manam ay ndamb la yo xamné yi ay copper la fess djel ñu ne ci faax nak tok faax bobu lañu né dañ leen né yëkëti bañ ñu né ñokket ñu dal di djel alal joju nak dello ko fi nga xamné ni fa la wara dem manam ci gattal dal di tam guddu gatt dañu né rek lepp lo xamné li way loubal nako mom dana ko bokk ah mais dafa melni kon lolo tax ñu wo Biba Bourgi mu don ku jégué Karim Wade lol avion biñ don wax sax dañ Karim daf ne moko mom mais gaay nañ nan baaru da fay bëgg war Karim de waaw lolo de mom la nit ñi xel ñaar ak di demal ak di fekkale parce que nak ñu ngi nan ndax du Bibo fi mu nekk ni dafa bëgg du moyu ki nga xamé ni bi mom modi Karim Wade ndax mom Bibo dañu koy tuumal di wax nan mom dafa nekk ko xamé ni moy li tubab nan prêt non manam dal da fay askanale bopam alal jo xamne ni momuko mais kenen momom alal joju dal di kokoy lako ba tax nak ni wax nan mom Bibo jaarat na ci kanamu ñi nga xamne bi mom modi enquêteur yi te fofé nenañu kat amna luñu fa jota gis parce que bi yoon mom lañu wowat bu wuté ak ñeneen ñi nga xamne bi
dañu ko doon woowaat ba tax na tay ji ñu ngi wax naan feñ na ci lu démé ni ci ay montage financier yu jëm ci ay société yo xamné yi mën nañ ci lim ben buñu naan sénégalaise des industries SDI té yi tamit bobu nenañu dañu ci sukkandiku won ba daldi jox bibo lu toll ci ñetti témèr ak ñaar fuk ak juroom ñetti hectare yo xamné ñu ngi nekk ci allu banja bobu ñu ngi wax naan bibo tamit ay mbirum fédjan na batay ci montage ben société aviation biñuy wax handling service AHS té tamit ak yeneeni alal yo xamné dafa jëm ci walu ay tabax ak ay tax yo xamné dañuy wax naan bibo daf ko mom wala mom moone moko mom té fekk bobu xeyna Karim moko laqko lolou ñu ngi dem bëdd ci tudd sax ben tax bo xamné ni ñu ngi koy wax Eden Rock té mu nekk fi ci diggu Dakar ak yeneen tax yo xamné yi batay ay taxu grand standing la yo xamné yagul rek dañu leena jaay lu toll ci genn walu milliard ci suñu xaaliss ba taxna nak ñuy wax naan rek bo moytu wul jëm ci mbirum bibo mom wuré wa dana dem keñ bala yag té lolé lamuy tekki moy rek da fay feñal né mom bibo momul tous waye Karim mo botu won ci ginaam mu melni rek kon goute gi batay mi ngi gëna djégé ci Karim wala bok mi ngi koy yott momit té bo moytu wul day bu ci né sœur waxuma li ci genn waye genn ba du yom wa pap dalul tuti mu ñëwaat ay wa soxna awa gumbalé ak soxna sayna bu cham bu keur kumba restaurant nenañu ñi ngi leen di gëre ndax li mbokk di jariñ won ngeen leen ko bañu ubbé keur kumba restaurant di leen fa defal xéewal yu neex yeen ñep da ngeen leena jappelé bañu xamné amel nañ leen ñukkal lu reey reey ñukkal nak neena niñ koy defé moy rek ubbil leen benen place bu bes place bobu moy daru saram mit keur mam cheikh anta mbacké muy fo xamne bu ngeen fa deme lepp lu ngeen soxla ci seen affaireu yap mo xam viande fraîche la wala viande frozen budé yap xar la yap nak budé itam ay ganar la wala ay jeun wala turki fumé la wala turki fraîche bu ngeen deme daru saram mit keur mam cheikh anta mbacké da ngeen ko fa fekk da ngeen fa fekk itam lepp luy dem ci seen ci muy ciép muy diwlin gedj yet ketchax no fly arawak sangal lu ngeen ci bëgg da ngeen ko fa fekk ba ci tiakri ak soow te yit nak dañ leen koy deliveril fep fu ngeen ko bëgge kon nak bu ngeen lekke ba sour ci keur kumba restaurant la ngeen wara togge ji après dem leen daru salam mit keur mam cheikh anta mbacké mi ngi nekk ci 117 west 116th street ci digënté 7 ak lenox avenue téléphone 646-596-9605 646-596-9605 soxna awa gumbalé ak soxna seynabu cham néna ñi ngi leen di ñaanal yeen ñep ñi ko jappalé won ci kër kumba ak ñeneen ñi ci dess ñep yag ngeen ko xam yag ngeen ko wolu mu yag leena taxaw ngeen bekk ci lool lepp lu jëm ci seeni tax da ngeen di dem ci Fallu Ndaw expert yamu andal Fallu Ndaw fi ci université amérique bi la jàngé ba mokal ñu do ko jox ay lidiasam lepp lu jëm ci mbiri tax loolu la xam lool ba mu mat seuk ta bu leen faté né tax yi nak liko tambalé ci janvier ba avril lay jeex bu leen ko yéxa def bu ngeen sété Fallu Ndaw da na leen ci taxaw ci compagnieam logique 6 logique 6 mi nek ci digënté 120F ak 121st bu dé income tax la personal tax wala sen business tax la bu féké itam da ngeen di taxawal sen compagnie bëgg ku leen ko défal wala ku leen défal sen accounting dem leen séti Fallu Ndaw ci logique 6 Fallu Ndaw amna numéro téléphone bu bess mi ngi nek 917-365-2115 képp ku yaakaar ne expérience am na lu ko mën a wuutu boobu da ngaa demagul Africa Travel Management boo demee Africa Travel Management ba fekk fa Cheikh Diwaan si la ak expert yamu àndal da nga xam ne agence boobu rek moo lay wax ne la avion boo bëgg a demee ak fu mu mën a jëm muy South Africa Delta Royal Air Maroc ñeugé gëna yomb ñoo la koy wax wax la avion bi ngay démé Africa Travel Management mi ngi nekk fi ci New York 515 Madison Avenue ci 90 floor ba ci corner 53rd Street bu dé ci Sénégal ma nga nekk ci West Far ci VDN bi immeuble numéro 147 ci premier étage ba ci Dakar Yokh bu la nexé man nga woté fi ci New York 212-481-3850 wala ci Dakar 221-338-2060 42 wala sax li gëna yomb man nga dugg ci sen website www.myafricatravelonline.com wa pap ndaw dafa melni xaliss biñ nan milliard yu bari la ke ñu koy wër ak am ñu nan demal ak fekkel la dafa melni Aminata Touré min ci denk wal yoon mom dafa melni amu ci lam lamé den dana sax dañu taxawal commission bo xamné
dañu fexé bam délo ci xaaliss bi way ñu défé ko no xamné tam kenen dootu ko mëna té def waji dam babu ci lu leer soxna si nga xamné bi mo lañ wax aminatou touré té ñu dénk ko mbirum yoon ci walu réew mi mom tiaxan amu ci lu toll ni tafatal ay ni ndax kat soxna soosi di aminatou touré dafa wax né rek mom fim nek ni lenn moko taxa jog jamono yi ñu toll ar li nga xamné bi moy alalu réew mi wala nafay réew mi lepp lo xamné ni xaaliss réew mi la dafa bëgg rek ñu doxal ko ci yoon mu leer nañ ba tax na ci waxtan wo xamné bi dañ ko doon amal sekko ak wa forum civil ak ambassade bu Canada fi ci suñu réew dem ci mbirum nan lañu wara mëna sayto alalu réew mi wala alalu mbolo ci la mom Aminatou Touré dal di xamné né war nañu mëna taxawal kurel yo xamné da fay doxal mbir mi diko saytu ba mu leer nañ ci la waxay nak né war nañu mëna génné wala pexé yo xamné dañuy def contrôle manam vérifier di gestu di saytu saytu bo xamné mi da fay leer nañ ba taxna mu né bu ko défé at mu jot war nañu mëna dem ci ministère bu né manam makamu jëwri bu né ñu dal di fay dugg ñew def enquête xol copper yi nga yoon nan la toll xol lan nga ci jaay noko doxale koko duggal luñ la délo wéccit ñu wéccit wa toll wéccu koko def ana manam dal nan lañu ko doxale ba mbir yi leer nañ bu ko défé nak ku ci né bu sey mbir jaaré yoon ñu bindal li ñu naan titus dox la keuyit go xamni ni moy firndel ne yow mi amo ben problème néna doxale nonu mo gën bayyi nit ki jité ay ñaari at ñetti at juroomi at fukki at nga bëgg wëlbeuti ko at naan li ñu naan bayyi ba jaan dem nga top ci wati way door néna bu ko défé ñu naan ah woy at sangam lek nañ fi li at sangam jëlé nañ fi nangam néna lolu buñu bëggé mu dak nañuy contrôler gaay di leen vérifier moy li tubab di wax rek wolu nit du té nga ñak ko vérifier ba taxna nak dam système bi mom xamna né buñu ko doxalé mom ci lu leer dana dal di wara mëna jaar yoon ba taxna nak né soxna ci néna dal yoyu war nañu ko mëna doxalé no xamné ni dana wey té tamit da fay tax rek ba kenn dootul japp né mom mo fété kaw li nga xamné bi mom modi walu yoon ba taxna nak lolu war nañu ko mëna doxalé nonu topé ko bu ko défé amul kenn ko xamné ni ci réew mi ngay bok ko xamné da nga fi mëna lugalati dal copat muy pexé lu yes dam babu wuté ak ni nga xamné bi non lañ dan doxalé dem bëgg bëgg ci dem wa pap xamna lol de seen ko wara tambalé doxal xana ñaari junni kër yi ñu wax né dañ ko nara jox ñi ndox mi nang mbënd mi nang won seeni kër ndax fatali ko nga plan jaxay ba nga xamné lu melni nako taxon jog fi mu nekk ni Omar Sarr ngi yégg ak di wacc Omar Sarr ngi ci yégg ak di wacc ndirum plan jaxay bo parce que gaay yi dañu japp né plan jaxay bi xaaliss bi nga xamné bi mom lañu génné won yépp wax né dañu ko ci duggal pour defal ay kër buñu xolé liñ fi jotta defal ci kër wala buñu xolé kër yi ni ñu mel xol kër yi la nekk ci biir da fay woro lol wala soreyo lol ak xaliss bi nga xamné bi mom lañu limné mom lañu ci duggal ba tax nak tay ji ñu né mbir yi il faut ñu xolat ko téréwul ñu ngi wax naan war nañu mëna génné lu tollo ci ñaari jooni ay logement yo xamné war nañu ko joxé bala juin 2013 juin moy filé boy set damba bu ñu ngi ci wéru février lu ci top mars avril mai juin donc fi ak ñenti wér wala juroomi wér yu manké war nañu fe mëna joxé nénañu lu toll ci ñaari junni kër ci ñi nga xamné bi dañoo lor jëm ci mbënd mi nam abdul mbay di imimani jëwriñi mom moko wax ci conseil des ministres bi nga xamné bi mom mo fi amone né lolu ben plan d'urgence lañu ko wara def té itamit plan d'urgence la d'accord mais ñaari junni kër xam nga né tiaxan tabaxuko mais lu mëna am modi li woor moy nañu daan doxalé dañu wuté ak ñi nga xamné bi non lañuy doxalé tan parce que dal légui fisti buñu yëkëti bëgg nañu xam fan lañ ko duggal ku talal loxo pour ñu tek ci dërëm faaw ñu xam lan motax ñu war ci tek dërëm daam nañu top ñaari jooni kër ba xam nan lañ koy tabaxé ak itamit joxé ba ndax ñañu ko yeyo ñako yeyo lañu koy jox ak it nan lañ koy joxé li ci kanam rawul jëf wa pap moné téewul dé gaay yi nga xamné ñom ñoo jappalé won Macky bala benno bok yaakaar ak yoy doon am muy Macky 2012 fi mu nek ni dafa melné ñi ngi xirok ñenen ñi xawma na xëccio ay place la wala xëccio ay xéewal la xëccio place wala xëccio xéewal lu mëna am damba bu modi dal wa Macky 2012 ñu ngi jéma xajamal ci réji parce que fi mu nek ni coalition bobu nga xamné ni Ibrahima Sall moko jité won xam nga Ibrahima Sall sax nekkon na fi jëwriñ ci gouvernement Macky Sall ba ñu jëlé waat ko fi ñom tay ji ñom ñoo def seen dajé def seen réunion dal génné seen communiqué di xogal baat nak parce que tay ji nénañu li leen jaaxal moy ciel wala pataral gi nga xamné bi mom la yenn njitu benn bokk yaakar yi wéyé jamono gi nga xamné bi sénégalais yu bari ñu ngi yakamti talal seen nopp bokki seeni beut pour ñu wax leen mbiri dossier yi audit yi wala copper yi nga xamné bi mom lañu loubal wala affaire yi
ana nan la wara mëna démé donc nénañu nopi gogu gaay yu nopi dal moy li nga xamné bi ñom mënuñu ko muñ té bo sété dam babu temps yéne ñu genn amna ño xamné ñu ngi doon wax naan war nañu mëna xol tamit yenn ci njitu benno bokk yakkar yi ndax li ñu yor wala li nga xamné bi ñu ngi naan dañ ci boof ndax amé nañu ko nañ ko waron amé wala dit bo xolé tamit communiqué bi nga xamné ni mom la gaay yi genné da fay melni dal gaay fi mu nek ni tan yi dañuy jema def liñu nan ciopet bi ndonk bi wala jema fenkale ay kuy wala en tout cas bëgg indi problème wala en tout cas ci gattal bëgg léral xeyna yépp lér rek bu ko défé ku sa bat set wala ku mëna def bat ni poto nga dal di bot say loxo dagu dem sa yoon xamné tamit dara do la ci fekk mais lu mëna am dal modi wa Macky 2012 mom ñu ngi dal ci kaw yenn njitu ben bokk yakari ndax nak dañu jur ciow wala du jur ciow nañu sétane ba tay rek sétane dakk ci ndaj ah kenn ci ñoñu jité benno bokk yaakar kat ñom dafa melni xaruñu sax wa Macky 2000 xarul sax wa Macky 2012 pour xajamal muy ku melni Idrissa Seck digëntém ak wa kër Macky Sall fi ne dafa melni tambalina di xajam deug deug non digënté wa kër Idrissa Seck ak wa kër Macky Sall mom dam babu mën nañ japp né jamono ji ci tamanté ndëm lañu toll parce que fi mu nekk ni seen digënté mom demul bay waja neex ñu ngi yëkënté lu melni xébé ndax wa réew mi bu Idrissa Seck dañuy jigni wa APR bu Macky Sall mais dañuy jema rocci wala ropat li nga xamné bi mom lañu am ci militant bok na ci ñi ci gëna tuumal ku dé melni directeur port bi di professeur Kanté bi nga xamné bi mom day jema def débauchage toutes les minutes ci parti ki nga xamné bi modi Idrissa Seck wa APR tamit di jigni Idrissa Seck nan ko mom dafa nek ci bir coalition benno bok yaakar ba paré di indi ay problème parce que fi nek dafa jël beut bi tek ko ci fauteuil bi nga xamné bi ci la Macky Sall top mom déjà commencé na déclarer comme candidat ci élection yi nga xamné bi moy présidentielle 2017 yi nga xamné bi mom lañu deugmal xam nga nak dañuy faral di wax naan ñaar nit ki bu fekké ni bi dafa tok ci 16 bo xamné ni mom da ko akimo keneen jël beutam pelé bëgg ko tek ci 16 bi manam poussal ma tok wala waccal ma tok ah en tout cas lu mëna am modi Macky ak Idi ñom ñu gi jema woné né seen digënté tay ji la gëna ratax amul ben problème bu ci dox boy fataliku jamono yé lañu gën gisé won nañu fi ci palé lu mot ñaari waxtu wala ñaari waxtu yi tek mais téréwul ba tay ba doon wax sax naan après dañu gisé wat benen gisé bo xamné bi dañuy dajé ñom ñaar andak ay délégation yu bok seen parti ñu yaatal leen ci mais gis nga téréwul ba tay ñi nga xamné bi ñoo top ci ñom dal ñu gi tamanté ndëm ciow la ngi japp ko japp suuf ba taxna sax ku démé ni ki landing savane do ñëkëti kaddu di wax naan mom mën na def médiation manam mën na solo dalam dox tank jamm ci digënté ñaari parti yoy waye lolé it sax ñi nga xamné bi ñoo nek ñaari parti yoy dañ ko gantal ba taxna sax amna ño xamné ni dañ japp né rek landing mom kenn comme tuddatu ko fenn kon kenn déggatu ko fenn da fay jëm wut rek no xamné bi dëna mëna fossat wala mëna feñat ci mbir yoy mais dal en tout cas dam babu digënté wa kër Macky ak wa kër Idi mom sagarin ci xéñ bu baaxa baax wa pa xamna ne dañu dugg legi ci mbir yi tribunal ndaxte bari na ci ay dossier yu ñu tuddat fi ne ci ayubis gi me bala bobu may ma atandi ko tuti demal teñu American Language Center mi nga xamne mo leen di jangal anglais mo leen di xamal ne ku nekk ci rew bo beugé sa dëkk neex fa da nga wara wax lak wañu fay wax motax mu leen bu ngeen beugé jang anglais ñew leen set ci ko mi ngi ci locom yu bess ci 229 West 36th Street ci third floor bi ci digënté 78th Avenue jégué lol Penn Station fanwéri at ak juroom ngi ni ñuy jang anglais te jangale kat yi gëna ay ci dëkk bi ñom lañu fa dajalé bu fekké ne da ngay doora tambali wala nga bëgg bënal sam jang itam fofa nga wara dem te la ngay fay tutina lol mo gëna yombal ci dëkk bi yeen ñi dëkk Queens itam dem leen ci Jackson Heights ci 75-01 Broadway bu ngeen démé fekk fa American Language Center bu ngeen ci bëggee xam lu gëna leer woté leen ci 1-800-English 1-800-364-5474 1-800-364-5474 bu ngeen woté laajte André wa pa bu ñu déllu ci fan yi yëpp ñi ngi naan dana dem ak du dem Cheikh Bécho Tchoune ñu ne ki nga xamne mo juge d'instruction Thiès dañu jëk wax ne may nako liberté provisoire après am ñu léral ne dét du liberté provisoire dañ ko may mu dem faju ji ñëwaat waye dafa wara yobbu wala ay garde pénitentiaire yo xamne ñoy and ak mom am ñu naan Cheikh bi néna lolu gënalu ko lan nga ñu ci mëna wax ci lu du mel non dam liñ ci mëna wax ci gassal moy li nga commencé rek tay muy lu leer ci wër ki di Cheikh Bécho Tchoune mayuñu ko liberté provisoire manam amul bayyib negeendiku dañu ko may kay ab diir lu toll ci wër mu dem fa nga xamné bi modi France dal di faju ji fofu dem bi nak
mom mo am problème parce que am na ño xamné ni dañuy wax nan juge bi mo doon xawa yéxal signature bi ndax dafa am ay garantie yu mu doon laaj parce que manam cheikh bi bu démé France est-ce que ëllëg ci bir bu ko soxlawaté fi dana mëna déllu ci wat pour mu dékk ko ay nopp wala indi ay tontu ci li nga xamné bi mom la koy laaj ak yunimel mais sax juge bi mujjina signé dem bi nak ni ma la ko waxé légui wër lañu ko may pour mu dem faju ji mais ku ne xamné né walu wër bi yaram xeyna mën na ca yegg mën na ca baña yegg mën na ko dépasser mais lu mëna am modi dañu wax né comme du bayit negandiku dañu ko signal autorisation de sortie du territoire pour mu dem faju ji ñu né nak kon dañu ko fay bolé ak ci ay kangam yo xamné dañu bok ci administration pénitentiaire ñaar lañu wax yo xamné dañu né da fay and ak ñom té ñoñu tamit dañu né mom mo leen di jël en charge manam mo leen di jëndal billet avion mom mo yoré sen lek sen nan ak bagage yu ñu mel té tamit ñoña buñu fa démé duñu ko soré dañu koy may bëtt buy jog ñu xam buy tedd ñu xam buy dugg ñu xam buy gënd ñu xam manam ci gattal loolu da fay woné rek ba tay mom dafa nekk ci ay loxo amul liberté bo xamni ni mën nako may fuko neex lu wala fuko neex gën ba taxna nak ñu ngi wax naan xeyna lijeenti mbiri ñooñu mo xawa yéxal affaire yi donte amna ay jégeñalem ñukoy wéddi di wax naan non ba tay ci ay mbiri kayit la bok amna itamit ñuy wax naan tuba bi ci seen bop ñom ñu ngi jël affaire bi très au sérieux parce que buñu bayé xel li nga xamné bi mom la talibé mi defoon ci Dakarou wér ye lañu genn dugg ci dëkk bi jaxassé ko tal fi ay pono yaq fi ay auto dañuy wax né wa France néna ñom lu ni mel duñu ko mossa nongu dañu jël seeni matuway bañu xamné dëkk bobu yoon dañu ko fay doxal wa pap ya nga fatali ku nekk bañu yëngal Dakarou sax amna ay consulat yu mel non ci France bañu yëngaloon fa mais justement lolo tax nak tuba bi ne ñom mbir mi dañu ko del très au sérieux parce que amna ay manifester yo xamné ay talibem defoon nañu ko ci bëreb yoy yépp nak lañu wax né duñu ko sétane duñu ko nongu té bëss bu fa jëmé am ñom dañu jël seeni matuway jël seeni responsabilité bu mu mot sëkk parce que duñu nongu nak ay nit di ñëw ci seen réew di fa indi ay trouble à l'ordre public ak yu mel non ñu ngi wax sax naan lolu mo xawa yéxal mbir yi ba tay encore bañuy wax sax naan cheikh bi yëkëti na kaddom di sakku ci talibé yi pour rek ñu baña indi ay problème baña indi ay courte wala baña yëngal wala baña jëf dara en tout cas da lu mëna am dambabu ni ngi ko waxé ci ndjelbeen gi la rek guddu gat du bayyi nagandiku mais dañ ko may ngir mu dem faju ji té buy faju ji comme dafa nek ci loxo ba tay dana and ak ño xamni dañ koy tek bu wa cheikh hirim sekit kat mom ak xaritam ak bokam amon nañ yaakar na tay ji dana delu wat tribunal bañ nan sax wajuru xalé bu jigen bi mu yegon ci mom neena bal nako waye dañu daxat bis bi dafa melne waaw parce que ñu ngi doon wax sax naan dañu waxtaan ba jubo digënté cheikh yirim sek ak xalé bu jigen bekk mbokam ba ay ñoñam doon yaakar sax naan tay ji bu yegon tribunal rek dañu koy bayyi mu dem mais waxtaan ba jubo bobu ay avocat yi xalé bu jigen bi day ñu ngi koy jema wéddi mais lu mëna am modi dal cheikh yirim sek daqat na mbir mi lijeenti wu ñuko tay dañu ko daqat ba ben fan ci wéru mars bi nga xamné bi mom lañuy sentu ndax ci fatali rek dañu wax né cheikh yirim sek mom dafa yegg ci xalé bu jigen bo xamné ni motax ba nuko atté ñu galloon ci mbodam ñetti at ci kasso yo xamné yi daf koy teud lolu nak lañu wax né am nañu jaar ci souf di jox ay tanki jam ak di lijeenti ak di démalé ak di fékalé bañu japp né dal xeyna mbir mi war nañu ko mëna woyofal mais nak loolu lepp dam demale ak fekkale la rek nañu bayyi ba mu jakarlok atté kat yi ñu def atté ba xam lan la atté kat bi wax waaw sitor ndourit mom kat atté won nañ ko ba duu yobbu ko ndungu sin waye nañ bay mayes nako bayim ne gëndiku momit waaw sitor ndour joom benni wéri kasso lañu ko tejjoon yum wara teud té dooron nako sax ndax fukki fan ci wéru janvier lañu ko tégon loxo yobbu ko ca kasso Fatick mais nak mom sitor ndour dafa daldi def appel daldi ci bolé tamit demande de mise en liberté provisoire bayib neugandiku bobu nak may nañu ko ko ba taxna mom sitor ndour gennat na kasso fimne ni kay li nga xamene bi mom lañuy xaar modi mbir mi dan nañu ko atté wat ci cour d'appel ba nga xamene bi mo nek ca Kaolack atté bobu ñu ko japp amal juroom ñetti fan ci wéru mars li nga xamene bi mom lañu koy sentu ci fatali rek dañuy wax nan certe sitor ndour daf fi lapone ben journaliste bu nek Walfadjiri lap yu metti ba koké jëlé won ci certificat médical ak gañu yu metti ay lolu nak bañu ko ci atté ci lañu galon ci mbodam juroom ben wër yo xamni daf ko waxon tudd mais amna ci bayib negandiku di xaar nak appelam momi tamit lolu nañ top ba xam ko muy mujj
Wow, Bertrand Touli mi nga xamné itam mo jité hôtel bi ñu wax Lamantin Beach té ñu wax né dañ ko japon ci mbiru drogue mo am mom ak Lig Nicolas yoy mayé nañ ko bayim né gëndiku mé yokon nañ ko ci né légui bu bëggé tukki sax warna ko sañ waji Bertrand Touli mom kay mbiram baxna parce que dañ ko placer won rek sous contrôle judiciaire warul won gën réew mi ndax dafa wawon dem di pointé ji ci gendarmerie wala police pour di len wax à chaque fois ma ngi té dañ né won say bo xamné bi soxla nañ ko warna mëna ñëw taxaw ñu gis ko mom momé nak le juge bi wax dal mais ginaaw bi nga xamné bi dañ ko téyé won denc bañu ko dencion kasso ci digënté bi soxnam bi nga xamné bi ma nga ca France daf ci muccion manam dafa wosine amone ay xeex té lolu ming wosinone depuis ñetti fan ci wéru novembre ci at ma lañu genn melna ni dal juge bi dafa bayyi xel ci ay la yewen nak ku am soxna ki goné rawati na dom yo xamni dañu judd sa ginnaw war nga leena mëna gis ba tax nak juge bi may nako ngir mu dem fi nga xamné bi mom modi France séti soxnam soso ak gonem gogou wouté nak ak ñi nga xamné bi modi Ligue Nokalay ak ñeneen ñi nga xamné bi ñom la sétal dossier bobu parce que ñoñu kat ñu ngi ci casse bi ba légui té bokk na ci li ñu leen di topé association de malfaiteurs manam say so xamné ci dañu and def groupe ngir mëna def ay ñaawteef ak tamit jëlé drogue bitim réew duggal ko fi ci sunu réew ak tamit galankor ligéyu li nga xamné bi mom modi yoon waye tamit ay mbiru complicité ak tamit mbiru corruption mbiru jema lek copper jambour da muy lu bari bari lo xamné ni gañi nam ñu ngi lijeenti ñom ñu amé liberté provisoire waye lolu mom soté gu waaw pap amna ño xamné ñomit bu li police wax amé dañu laaj mu liberté provisoire mu jafélen de gañi ñu né dañu japp lu mat juroom ñaari bari go ci yamba dam ñooñu duñu mossa mëna am liberté provisoire fenn parce que mbiru yamba mom légui wal ñol xéti drogue yoy kuñ ci tek loxo sa mbir jaxason té lolu ni ngi ko waxé non la amé parce que policier au Sénégal yi tek nañu loxo ci joom ñaari téméri kilo yamba ak ñaar fukk ak ñeent lolu nak digënté Bamako ak Dakar mi ngi am ci aljuma ji kiko xamlé moy commissaire divisionnaire Cheikhouna Cheikh Sadibou Keita mi nga xamné mo jité office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ñu né nak xalé lolu buñu koy xayma ci xaliss dambabu juroom ñaari téméri kilo yamba yoyu tollu na rek ci ñaar téméri million yu tek warna mëna tollu bok ci digënté ñaar téméri million ak juroom fuk japp ñetti téméri million lolu lañu xamlé commissaire nak bi muy xamlé lolu ni ngi ko xamlé kon ci ben conférence de presse bo xamné ni ci la ko doon xamlé di wax né nak drogue bi dafa nekkon ci ay sac yu bari yo xamné yi dañu ko ginaaw bo xamné bi drogue kon dañu ko jël laxas ko ci nonu ñu koy tuddé seen brigue ci lañu ko duggalé nak ci ay saku dal di koy duggal tamit ci biir ay auto ñi nga xamné ni nak ñom lañu tek loxo ndax ñom ñoy yoron drogue bobu bekk na bok na ci suñu menn mbokk ndax ab sénégalais la ak ñaari malien ñu ngi leen tek loxo nak fiñu leen tégué loxo yi teungeeg la ndax boy xol danaka ñom sax parce que xam nga ñu déparé Mali ba yegg ci teungeeg digënté teungeeg ñak Dakar jour ñaar fukki kilomètre ak jour ñet donc ñoñu défa won nañu né mucc nañu waye fekk na bobé nak ñu ngi leen doon yott ci lañ leen né ciix ñu ngi nekkon ci ben auto bo xamné ni ngeen balma budé amna ko xamni numéro bi en tout cas DK 4185 té la bayé ko won Mali di ben camion bo xamné ni tay ji fim nek ni ma nga ca commissariat central ñu garé camion bi couleur bi dafa verte dafa am double fond bi ci la gaay yu dugalon drogue bi fogon né dinañu recc mé muju ñu jall pap ndaw ma ngi lay gërëm di la sante jërëjëf dam babu di la gërëm di la sante di gërëmit suñu waji si pharmacie faté wuñu it señ fay déglu kat yi may leen ma nopp mo wax leen ne lu ngeen soxlaate ci mbiru pharmacie dem leen ci si pharmacie bi nga xamne dafa and ak association des sénégalais d'amérique ngir andi leen service bo xamne kenn mënu leena jox bu mel nonu seen ordonnance bu ngeen mëna am da ngeen di ñew andi ko ñu dal leen koy defal ci ni mu gëna gaawé bu ngeen bëggee ñu jël seen tension set seen diabète té itam bu ngeen leen wo ñu jël ci seeni ordonnance bu ñu noppé andi leen ko té du ngeen leen fay ci loolu dara té nak assurance bu ngeen am da nañu ko jël ñu leen xamal nay tam man ngeen wax seeni docteur ñu yonne leen ordonnance par email té ñu leen xamal nay tam lu melne ay vitamine ak yu mel nonu yu ngeen bëgg yonne Sénégal
jënde len ko fi ñu dem yobbu len ko ba Sénégal joxel len ko mo xam OTC la mo xam vitamine yi budé bom yi nga xamne dañ ci def massage budé ñu naté tension yi la machine yi nga xamne mom lañu naté diabète ak yenen yu bare 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 fi ngay fayé say mbokk dem jëli ko ci Sénégal te bu ngeen ñëwé nak ci ci pharmacie da ngeen len fa fek ñuy wax wolof espagnol français ak arabe waxuma nak anglais mom mi ngi nek ci 215 west 116th street ci digënté 7 ak 8 avenue téléphone 212-665-8800 212-665-8880 bu ngeen woté laté Ousmane wala Issa sen téléphone ci Dakar mi ngi nek 33-835-06-86 déglu len ma wax len lu neexa neex bo dé dawal library wala limousine wala nga bëgg amat auto bu gëna bëss sa boss demal nga séti Luxor Motor Car kenn du sét ndax sa crédit baxna wala baxul liñu lay laaj nga andi walé ko rek moy andi walé sa license bu valable ak sa bindukaay daldi signé daldi dawal sa auto bu féké né ya nga ak sa license dañu la approuve duñu la laaj ndax am nga crédit bu baax wala dét da nak duñ la faylo benn deureum li fék auto bi amul license yi mu soxla yépp ba nga mëna dawal da nañu dem sax ba nga xamné assurance bi wéru jëk yi ñoo la koy fayal té da nak dañ ci yok né la auto yu baax lañu yo xamné garantie bi juroom benn wéru jëk yi lu ci né méjji nga ñëw délo ci ko ñu dal la koy jox demal nga séti Luxor Motor Car ñu dal lay jox sa auto ci ni mo gëna gaawé bo ci bëggé xam lu gëna lër man nga wo bayla kenemé ci 1-888-717-8181 wala nga dugg ci sen website liverytrader.com kay deglu len ma wax len lu neexa neex kep ko xamne da nga don wax ne bëgg na lek ci restaurant africain nak waye dafa bëgg mu moderne restaurant yi nga xamne mom la yeneen rew yu mag yépp di am fi ci New York fi ci diggu Harlem deglu ma wax la ne ñu koy waja ubi Jay restaurant keur Astamaram Jay restaurant chez Astamaram ñi ngi leen ko fassiyene ubil restaurant africain lay doon wepp ñam wo xamne da ngeen koy lek ci restaurant yu africain waye bu ngeen ñëwé da ngeen fekk place ba mu moderne moderne go xamne dafa dem ba sax wañ wa da fay ubeku bo nekké ci salle ba di lek da ngay seen wañ wa mu dal sa xel xamne fi mom lu set wécc lu moderne lo xamne Rousseau fa yobbu kenn mom la Jay restaurant keur Astamaram fass leen yene andi légui mu ubi mi ngi nara nek ci 2479 8 avenue ci digënté 132nd ak 133rd téléphone 212 861 food 212 861 3663 212-861-3663 waaw kon bala ñu leen di jox yëglé bi ñu fi am ñu dellu ci wat di wax suñu rak ji di Aïssata Ba happy birthday li mi ngi joggé ci Fédération des Sénégalais de la Diaspora, comité d'initiative bi nga xamné moy comité international provisoire bi ñoy xamal bokk yépp né len dañu taxawal ben comité régional provisoire mu nekk ci États-Unis. Domi Sénégal yi dëkk ci États-Unis ci East Region bi yépp ñom lañu ci wo comité d'initiative bobu nga xamné régional bi mom lañu fassiyene taxawal ñi ngi bëgg kurel yi nga xamné yépp ay kurelu Sénégalais lañu muy association muy groupe communautaire mo xam itam ay kilifa lañu fi nek wala ay nit ño xamné ay Sénégalais lañu ñu dëkke ci East Region bi yépp ñu ngi leen di xamal né dañu bëgg ñu ñëw participer ci congrès bi ñu fassiyene def muy congrès de la Fédération des Sénégalais de la Diaspora ñu fass ko yene def ci Washington ci le 28 29 ak le 30 mars 2013 li tax ñuy taxawal fédération de la diaspora bobu moy ñu bolé seen doolé mëna waxtaan ba nga xamné sepp soxla so xamné ay sénégalais nek ci diaspora bi am nañ ko ñu war ko taxaw ni mu waré mëna itam sam seeni soxla sam seeni waréf tay itam lepp lo xamné dañ ci nek ñu jappalé len ci ba mu mëna taxaw ku bëgg bok ci comité régional bobu nak nga xamné mom lañuy taxawal da ngay envoyer ce email ci adresse bi nga xamné moy bu secrétariat permanent bi nga xamné mom mo fassiyene taxawal ndaje momu comité régional est @gmail.com wala nga woté 646-350-8036 wala nga ñew bok ci assemblée générale biñu fassiyene def ci samedi 23 février association sénégalais d'amérique bi nek fi ci New York ku ci bëgg xam lu gëna leer man nga dem itam ci sen site web www.sendiaspora.com ganaw lolou kon bokki ñu dal di ñew ak yeen ci mbiru tagat yaram bayileen ak ki nga xamne moy Elage Malick Ndiaye
Elhadj Malick Ndiaye li mu jëk tambalé ak ñun moy lu jëm ci finalu Coupe d'Afrique bi nga xamné mom lañu fassiyene def ci dimanche ji di ñew dimanche la ka bobu nak amna petit final bu ndaw bu digënté Mali ak Ghana lay doon bu mësu bu leen ko dab final nak daam dina am ci digënté Nigeria ak Burkina Faso di ñaar équipe yo xamné kat kenn xaralé no way li ngi tawone ci début compétition motax nit ñi bayiwon ci ñom xel équipe bu ci melni Nigeria jël 2e ci poule Burkina Faso mo ñoo bokkon benn fois Burkina Faso mo ko difum def match 1 but partout Nigeria ñew def prestation bu mak quart de finale genn équipe bi nga xamné mo nekk Côte d'Ivoire Burku do ñoo tamit benn final benn Mali 4-1 ak tamit équipe bo xamné ay xalé rek ci nekk parce que qui dit Stéphane Kessié mom dafa misé won ci ndaw équipe bi gis nañu il a beaucoup insisté sur la jeunesse de l'équipe surtout gis nañu kat ñom petit automobile ñu da leen daxone jël ay ñom modé sax ñom nga xamné konté won na ci ñom lu ci mëna japp nak lolu am na lo xamné jur nako parce que Modé ak Omonique ak Mba gis nañu pratiquement ñoy faire de lance attaque bu Nigeria mu éliminer Mali 4-1 Mali dañu jappone nak tay jëbu gagné ciow dina jex ci Mali ak jafé jafé ñanko tel mais finalement tag na pas le cas Mali éliminer nañ ko ci demi finale 1972 demi finale dañu ci Burkina Faso dafa jara baye xel parce que équipe bo xamni la non seulement am nañ collectif mais bi collectif am ci ay joueur yo xamni dañu am pexé ak ay dañu am pexé ba paré xarañ muy Pitroy pa muy Ahmed Traoré bien vrai Ahmed Traoré sax du jeu li nga xam mo nek nek final dox dafa amone ay gagne Burkina Faso nak mom mo éliminer Ghana ci li nga xam mo nek walu li nga xam mo nek nak walu demi finale 3-2 ci temps réglé ci circuit au but prolongation au but partout après prolongation di match bo xamni nek dam arbitre bi xelam ci di mom mo nekkon awu match nak arbitrage bu bon bi nga xamne def nako ci match bobu justement d'ailleurs ñu bari dañu doon wax ne ren ji arbitrage bi xawna tane biñu tambalé ba légui mais nak kok mom bi dafa melni yefami dafa upp bi yoon dafa upp kay dafa upp trop dafa tax bu xelam ci di bobu dam mo arbitre Sénégal Côte d'Ivoire mom tamit TP Matin mus nako recuser ben match mais mon kat ki dum arbitre parce que ki doyu mo ñoo mu ñoo dañu final digënté Ghana ak Burkina Faso def lepp lo xam bam def arbitrage dëgg na né pratiquement Burkina Faso bënal na ñu doon bi kenn ci Pitroy Pa mais finalement CAF revenu ci bëc ci ñoom ki nga xam mo nekk nak Pitroy Pa djéggal nañ ko ci doon ñu mom Salim Djadi bi suspendre nañ ko mais nak waxu ñak lañ ko suspension bobu dina ko top ndax bo deful nak mom comme bokku ni 50 arbitre yu tan pour dem coupe du monde ko deful nak lepp dina ko top dam baaw wa Alhadj Malick ci football lañuy dess batay waye dañuy delu ci Sénégal l'équipe nationale de football bi def na premier match bi mu def biko Alain Giresse yoré ba légui wa mon premier match bo xamné bu baax la parce que un but partout l'essentiel moy ñakul mais jouri ci jox fa lénen nak ci ëpp solo moy Alain Giresse wax né l'équipe nationale do fone da nga ñëw pour jouer pour sa bagage Sénégal sa papa ak say mbokk mo pour xalis lool nak message ñu dégg nañ ko ak tamit certain confiance ñu joxat confiance ko ci melni Michel Dia mu am problème ko ci melni Moussa Sow dama wa ñu dafa am problème ci walu dafa won gaat ci walu bakkan bi ñoom dal liñu gis né pratiquement ñoom ñoo porte équipe bi Moussa Sow sax mo dugal à la 7e minute de jeu avant que gagne égaliser 23e minute de jeu mais dab luñ ci mëna japp ci match Sénégal gënë bobu lepp solo mom moy Alain Giresse il a fait tourner son effectif sur le 23 jours pour convoquer 19 def nañ jouer ñom ñep 3 jours rek ñom ñoo gënul ci match bobu ñom ak tamit Mohamed Diagne capitaine bi kër bo xamné bu fantastique la woon lepp ñu koy def nañ ngir walal Sénégal Angola ñu def ko ñax fa nak ñet ci wër yi nga xamné ñu dëgmal ci fele ci Conakry amna sax ben mission bo xam dina jogé fi débar Conakry ñu def ko ñu réglage la ta ñu dalal Angola jëm ci éliminatoire Coupe du Monde 2014 am Brésil fofu ci Amérique wa kon ñun jallu ci batay ñu dess ci Sénégal waye wax ci mbiru béré d'or gannaaw lac rose bi mu gagné dafa melné ponkal yi ñi doora tambali di feñ nak wa xam nga nak ren ji aju mom mo yor combat yi mo yépp gis nañ né kaw digënt lac rose ak Modou ante combat bu amone solo la ñu tamit ci lay agnon nit ñu def ay prestation ku ci mbir balla gay de ku ci mëni tamit ci tafatin way tamit Modou ak ki xam mo nek ma sé ndax té balla gay de tafatin ñu ñu jëk sëgg ci wëru juin bu gëmé né ba dugg ci bo ci le Modou di sëgg ak ki nga xamné mom mo nek nak ma sé combat yépp ko tegg na lañ ci Modou Aliou Ndiaye waye nak kérok ci ay ñëm bu ñëk manam journée bu ñëk baxon na sax mais dafa am ay jafé jafé bu ci organisation rek walu ba dugg ñu mëna bu ko interpellé xam lolu ci bi dina ko corriger au fur et à mesure ko jone daw dam babu wa mais andi na ciow itam defena sel be ndom bi yon mom ciow top nako de wa sel be xam nga sel be wa mom tam ciow do ko fal top parce que dafa waxone ne lac rose mom moy danu mudu am dem moy gane finalement xam nga du set dafa doy war finalement lenen mom mudu am lenen mom dafa lool moy tole mom sax am dem na ba il est allé plus loin wax ne
amut yag na def prédication mais finalement lool amut am sax problème nga xamné amna ko digënté mom ak ñom malikane dama ak ñom adjin jaay mais adjin jaay ñene lool du ci tont parce que sel do dom xaritam mu xaritam la tool wess la rek en tout cas loolu dam mom moy xaw bëgg tenir pays jang ñatt gu Sénégal ndax lo xamné bokku ci won ñu ko ci duggal légui te daf ci am daf ci dafa am doole ba nga xamné ñu dañ ci baye xel ba nga xamné duñu taxana ci combat légui mais dañuy baye xel ci sel do dom ñene fait que dina lool mo gëna dévaloriser combat yi nga xamné dañ fa am dam jërëjëf Alhadji Malick Ndiaye merci dan merci beaucoup kon ni len ko waxone ci ndial ben gi rek dañu sekh waxtan ak ki nga xamne moy cheikh gay nak adjoint maire Dakar la cheikh gay min ngeen ko sax mu daan ñew fi nek ci radio association des sénégalais d'amérique fi daan ko animer moy adjoint maire bi top ci khalifa sall maire Dakar ak maire nga xamne ñoy maire d'arrondissement dañu décider ne danañ setal mbedd Dakar yu ñafay tegi table difa garer seen auto yaq wala ñu tek fa di tabax ce buntu keur lo momul danañ ko fa jëlé laaj nañu cheikh gay mu wax ñu ci lolu naka la démé lu préfou Dakar ak agirou ak ville de Dakar ak service état bi yépp nga xamni ñun désencombrement soxol na len and nañ ci ak police ak gendarmerie pour sétal mbedd yu reuy li ñu wax les grandes artères de Dakar commencé nañu liggéey bi boba ak légui ci 4 arrondissements Dakar moy arrondissement Grand Dakar arrondissement Plateau, arrondissement des Almadies et arrondissement Parcelle Assini. L'idée de nous, c'est que moi, comme nous l'avons dit, nous savons que nous avons dit que nous avons des objets, nous avons dit que nous avons des objets encombrants qui sont des bêtises. Nous avons des tables, nous avons des tabacs de New York, nous avons des Dakar ou des Dembou, que nous avons des magues de York qui sont ay ex-croissance ay mbar ak ay mur ak yi kenn xam yo xam ni deppowul wax deug yalla ak deuk lu mu wara mel li wala fi di wax nan deuk ci deuk bi defar deuk bi moko gën lolu tax ñu defoon taxaw setlu def waxtanu yaatu ak maire commune d'arrondissement yi ak sous-préfet yi ci arrondissement yi ñu ko amalé au niveau de la ville ben comité non lañ ko amalé ci arrondissement bu nek mu am comité local bo xamni sous préfet mo koy jité and ci ak maire commune d'arrondissement yi nga xamni ño nek ci arrondissement bi ak secteur yi nga xamni mbir momu soxol na la may fatali rek jogu rek def ko ndax biñu wajé liggéey bi waxon nañu ni waron nañu app pour joxé ay formation manam waxal ni nga xamni ni nga am ay objet yo xamni encombrant la wala dañu occuper mbedd bi tax dañ nan mbedd bi mbedd bour la mais lu ñepp bok kenn rek wara ko bok jox nañ leen ay formation ni leen na ngeen fexé dir bi peuple dir belé li nga xamni dafa nekk ci mbedd bi wala ci yoon bi tay galancor dem bi ak dik bi ta rafetul jekul na ngeen ko dindu moy formation mais ñun buñu sañoon muy suñu sago ñi nga xamni ñoo sabab loolu ñoo koy dindil seen bopp waaye bu fekkee ne app bi jot na te defuñu ko et bu boobaa nag yoon day def li nga xam ni moom la war a def ngir njëriñu ñëpp te defe naa ni bañ ko tàmbalee lu tubaab fa kàll nit ñi ñu ngi koy rafetlu ndax Dakar yi wax dëgg yàlla xatoon na ba kenn noyu waaye fan yi daal wax dëgg yàlla nit ñi noyu nañu ci yenn gox yi te loolu nag dafay jëm kanam rek incha allah wa mais xam nga amna ño xamne ñom lañuy wax marchand ambulant yi dem nañu ba sax Dakar ba danaka de nga sax ñu di len tuddé ay combat de lutte ak yoy te ñom dañu néwon sen table yoy duñ nang ko laal dafa melne maire bi daf ñoon marchand ambulant du tek fenn da daan dox yi yoro marchandisam ñoñu ñom nuñu réagiré xam nga baat bobu sax war nañ ko sétat ndax bu fekké duñ ko jéma tek ci wolof marchand ambulant moy kuy dem di dëkk mais li nga xam ni moo am léegi biir Dakaru xëy na baat bi mi ngi ci waaye dëppowul ak loolu li ñu gis ci biir Dakar daal ay table yee lañu maanaam ñu teg seen ay table occupé mbedd mi occupé tali bi ñooñu nag diggéen seen diggante ak maire Dakar diiru bi ñu toggee amal nañu ay waxtaan yu bari ba déggoo ak ñoom ci lépp lo nga xam dañ koy def may fàttali na rek ci at yee ñu génn dundoon nañu terrain bu mag bu nekk ci Félix Eboué war fa def marché boo xam dañ koy tabax ngir ñoom dafa ay
stable té tabax bi nak jogu ñu tabax ko bañu jëndé terrain bi and nañu fa ak ñom walé ni fi lañu jënd té fi lañu bëgg ngeen ñëw pour ñu défarat togi mi défarat jënd mi ak njaay mi ba ngeen mëna jaay té du ngeen lor kenn njaay mi mëna dem té kenn du loru ñom ñu rafetlu woon xalaat bi ñu commencé woon liggéey bi liggéey bi dañ koy commencé dañ leen wax na ngeen ko bëggé ñom ñu dem xol seen promoteur bop waxtaan ak ñom ñu ni ñom marché bi ne la war bindé bañ ci noppé ñu jël loolu ñu jappal ñom xalaat jox ko suñu ay technicien ñu rafetalat ko bu mu aw yoon ñu commencé liggéey bi ñu leen nak fi comme que duñ ko jënd ay milliards légui kenn ku ci bëra am table ñun du ñoy wax na marché ambulant bi mo ci dem wala ki mo fi dem comme que am ngeen ay organisation organisation marché ambulant yépp am na ay njiit ñuy wax ay interlocuteurs ñoo lay waxtaanal ñi nga xam ne ñoo ci war a dem yéene xool seen biir ñan ngeen jàpp ni ñoo war a dem foofu dafa am donc montant boo xam ne waroon nañ ko di ko versé mu toll ci bu pare ay 300,000 yooyu bu ko defee ñu am fa seen place libéré mbedd mi loolu bokk na ci projet bu mag bi nga xam ni ville de Dakar def dafa ànd ci ak marché ambulant marché ambulant nangu mais boobaa bi léegi liggéey bi ba mu waree ak agul ndax nañu ko wax aussi promoteur dañu am tuuti jafe-jafe loolu tax ax bu mu waroon ak agul mais jëlaat nañu beneen taxe pour vraiment baral mbir mi ba marché boobu sotti nit ñi mën a toxu foofu léegi comme que maire bi ak conseil municipal bi dafa am ñetti programme yoo xam ne moom la ñu bëgg a àggale ci at mi moom mooy pavage moom mooy voirie bi di tali moom mooy éclairage public et pavage bi nag dañu bëgg xeer ak suuf si ci biir Dakar parce que ay millions yu millions lañuy coûté maanaam mooy xeer yi mooy tabax xeer yi ngeen di tabax ci fi nit ñi di dox ci trottoir bi voilà mooy suuf si si mbedd bi xam nga day yàqu goudron bu àndee ak ndox ak taw rek day yàqu goudron te pour dind ko li tubaab di wax désensablement et opération am li dafay indi alal ju bare bare ñu ni bon nañu pavé Dakar ba suuf doof la am ci gox yu bari tàmbali nañ ko ci gox goxaat yi war nañ ko def ci biir Dakar ci trottoir yi kon nag xam nga loolu day laaj marchand ambulant yi nga xam ne ñu ngi ci trottoir yi occupé espace bi libéré espace jamono yi may wax ak yow am na ci ay béréb yu nekk ci biir Dakar yoo xam ne maire bi dem na seet ne ko moom waxtaan ak ñoom ba ñooñu joxe nañu seen kàddu yi ni mën nañ ko abal abal ko maire bi ñu yóbbu fa marchand ambulant yooyu nekk ci centre ville ba ñu nekkendee fa pour ñu mën def pavage bi fi leen ñuy pare fekk marché ba pare ñoom ñu jóge foofu dem foofu loolu aussi lu bees la loo xam ni d' accord nañ ci ak marché ambulant yi sànq rek maire delluwaat na fa pour xool ak ñoom et def naa ni diir bu gàtt marché ambulant yi ci biir Dakar ci plateau bi incha allah dana leen yóbbu ci studio yi ñi xam Dakar am na yu ci nekk ci biir plateau centre ville bi ay kër la yoo xam ne soit day nekk ay parking soit mu nekk nu clôture que te dara newu te nekk ci biir Dakar ñu jàpp ni mën nañ fa nekk ndeegum pour libérer espace bi ñu defar pavage bi bu ñu noppee nag ñu dellu ci site boobu nga xam ni tabax nañu ko. Waaw beneen mbir mu ci bëgg yokk rek mooy ku xam Dakar xam nga Kermel ci wetu marché Kermel ba xoolee am na ñuy jaay obsidar ak ay fleur loolu rafet jekkul moo touriste yeeg ñi fa daa ñëw dénn sax. Wàññeeku bare bare ñu dem métti lu woon ko étation espace total bi nga wax itam maire bi jënd ko commencé ko defar donc day am parking souterrain foofu ñiy jaay objet d'art yi ak fleur yi bu ko defee ñu yóbbu leen foofu ndax dañu bëgg a def quartier mel mu nekk quartier ci biir oto dootu fa dugg mu am espace de vie et de rencontre nit ñi mu mën a feex dikk bi feex dem bég dikk bi mën a feex te yenn waxt yi nit mën ko toog di waxtaan mu nekk place noppalukaay ndax dëkk aussi du bég yi ak biir kër yi day jaadu ñu am ay bërëb yoo xam ni comme ni ngeen ko amee seen réew yooyu nit ñi mën toog ci bit yi di waxtaan di daje di dund ok dinaa du lu am solo la donc ci loolu la di toll waaw comme que temps bi dafa xaw a xat dama bëggoon defe naa ne 2007 la woon wala 2006 lu mel ne li ngeen di def nii jële nit ñi nga xam ne dañoo yokkoon seen i kër wala ñu am seen i bagage ci mbedd mi ak yooyu Pape Diop defoon na ko
mais defé nané ay semaine yu néw lañ ci tok mu daldi melat na mu melone. Est-ce que yeen am ngeen ay mesures d'accompagnement et de suivi yo xamné dana tax du ngeen fa daxé gaay fek ñaari wèr ñetti wèr ñu delu ci wat wax nga lu am solo ndax mbir mi duggulé amon na fi ndax ñi tax ñu diko def ñom dañ nan ah li dañu tudal ni rek ñaari fa ñetti fa ñom di delu ci wat lolu bay nañ ci xel bu baax motax boma deglu sama ndjal ben wax numu amé comité ci bir au niveau du département té projet bi ci ko nonu la amé comité de suivi ci arrondissement bu nek sous préfet ci tout donc lolu ñu ci and ak police ci and ak gendarmerie donc bolé ci nak ak waxtaan xamal nit ñi ak askan wi li ñuy def dañ koy def ngir jarñu askan wi kat ku nek donc war nga ci gis sa bok ndax mbedd mi ñepp ko bok te lu ñepp bok kenn rek waru ko bok et ñu japp ni donc amna waxtaan sensibilisation buñu wara def information buñu wara def ndax amna yo xamne defena ni mën na ñak waye bu fekke amna ñu xamni dañu deugër bop ba ñom defena ñu lu leen neex def et luñu def dara du ci bu baay ñu defal yoon rek li nga xamni yoon ñom la leen tek ñu tek leen ko mais japp na ni bi yoon dal inshallah dañu xamni jaadu nu mu am suñu ba li nga xamni dañ ci dépenser xaaliss bu bari parce que lolu moy jafé jafé bo aussi parce que ay camion la ay pelle mécanique la xaaliss bu bari lay laaj essence mobilisation force de l'ordre yi yoyep xaaliss bu bari bu takulé laaj donc buñu défé lolu bu nit ñi rafetlu ko jaadu na ni war nañu fexé ba lolu ñu fi dind baña delu soir lolu aussi dafa am éducation civique waaw nit ku nek amna taxaway bo ci wara taxaw ndax amna borom xam xam bu mag bu daan wax naan il faut méditer sur ce que habiter veut dire avant de se loger donc il faut que dëkk bi ak dëkk ñuy ak dëkk way ñu xolaat ko bu baax kenn ku ci nek xam li nga xam ni mom nga warlo sa ax ak sa dëkk no sa ax ak mbedd bi ak sa ax ak dëkk lu rafet waaw légui limay mujjé rek moy xam nga mois de mars bi ñu jublu bu déllusé ci lañu wara woté ngir maire yeek yoy té défna itam amna ñu leen doon tekku ci né bu ngeen ñu fi jëlé bu woté yi ñëwé daanu ko digalé gën xam nga ñun yalla dafa def ni dundé wuñu politique té li tax ñu nekk ci maire bi dañu japp ni war nañu duggal suñu loxo ci liggéeyu réew mi ci défar réew mi ngir jarñu askan wi et li taxoon ñu fal na yoon moom mooy defar dëkk bi defar dëkk bi nag jaral nañu lu ne bu fekkee ni defar dëkk bi ëllëg ñu jëm ci woto ñii ñu ngi ñu ni yéen defar dëkk bi dañ leen di dindi indi ñeneen bu ko waaye ñu jàpp ni dindi nañu fa indi ñeneen donc ñun loolu diisalu ñun daañu leen fi dindi rek daañu leen wote déedéet bu ñu wotee ñu continuer liggéey bi ñu ko bu ñu wotalit lañ doon def démb ak barki démb di ci dundee suñu teranga ñu continuer ci loolu donc loolu moom tiitalu ñu wax dëgg yàlla surtout ñu koy wax ñu ci bari sax seeni wax wax dëgg yàlla du wax ju am solo parce que jàpp naa ni li ma gis ci jamono yi dégg ko ci ay nit ju dëkk ci dëkk bi mooy ni bu ngeen deful lii duñu leen wateel dañu koy wax ñoo ëpp ñu dëkk ci dëkk bi dëkk Ndakaaru bëgg njëriñu dëkk bi bëgg njëriñu réew mi jàpp ni dëkk bi war na soppeeku gën a rafet ngir ñëpp ñoo ëpp fuuf ñaari nit wala ñetti ñi nga xam dañu bëgg jënd ñi en otage ñoom bo leen di xayma ci nit rek limbu tuuti la ñooñu nag mënu jël en otage askan wi yëpp wax dëgg yàlla waaw cheikh kon loolu sax wax joxo daaj la dox naa ne ñun li ko maire di waxee laal dee laalul dee daaju ko laal te dee nag waaw monsieur le maire comme xam naa ne kon nag wax ci sax bëggoon naa mu gën a yaatu du ñàkk ñu dellu si waat ci mais comme waxtu wi jot nañu fi mu nekk maa ngi lay gërëm di la sant Cheikh Gueye maa ngi lay sant daam jërëjëf merci ñëpp jërëjëf waaw kon nag mbokk yi foofu laa leen di tàggoo te di leen wax ba àjjuma ak jàmm bu ñu fi dellu si waatee ci alterné jeeg àjjuma ji daan leen gën a wax ci anniversaire African Time muy ñaar fukkeelu atam bi ñuy fas yéene def ak Oustaz Sall le 19 mooy conférence bi baal bi ak Aïda Samb le 16 la war a doon ci weeru mars conférence bi ak ñoom Gadio mi ngi nar a nekk le 15 kon bokk ba alterné ak jàmm.